Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce webinaire. On va attendre encore quelques secondes. Vous êtes déjà en train de connecter. Avant de commencer, on commencera par un petit tour des présents à l'heure actuelle. Comme vous le verrez assez vite, notre quatrième compère n'est pas là pour le moment, parce qu'il est en réunion et normalement il nous rejoindra plus tard. Ok, bah du coup, effectivement, notre VP communication nous avait averti que vous alliez être nombreux ce soir. Vous êtes déjà 133. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir de voir du monde. Ok, bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer doucement. Faire le tour de la présentation. Nawel, je te laisse commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Nawel, je suis chef de clinique en médecine psych et de réadaptation au CHU de Dijon, consultante recherche à l'ISMI et je suis aussi présidente de l'association des jeunes en MPR, donc que je salue s'il y en a qui regardent. Et le but, ça va être de vous expliquer au maximum les différents éléments en fait, qui dépendent de votre statut de docteur junior. Avec Evan et d'autres personnes, on était déjà en fait à l'intersyndicale nationale des internes l'an passé. Il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. Il y a encore des choses cette année qui évoluent. Donc, le but, c'est qu'on soit un peu dans la continuité et qu'on vous explique pour vous informer au mieux. Voilà. Super. Antoine. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Antoine donc Cateloin. Je suis un agent général de la médicale à l'agence de Bordeaux qui gère donc la Gironde avec mes associés. Je suis ravi de pouvoir intervenir une fois encore sur ce webinaire. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir sur le webinaire concernant les remplats. C'est extrêmement intéressant et agréable pour nous à la médicale en tant que partenaire assurance exclusive de l'ISNI de pouvoir vous accompagner sur des sujets qui sont vraiment extrêmement importants et de pouvoir accompagner tous les représentants de l'ISNI dans ces belles initiatives et notamment dans tous ces webinaires. Donc, merci encore à eux. Bonsoir à tous. Et je suis à votre dispo pour toutes les questions une fois ma petite présentation terminée. Super, merci Antoine. Avant de commencer, déjà, je tiens à remercier Alexandra, qui est la VP communication de l'ISNI, qui a organisé la venue d'Antoine ce soir. Pour me présenter simplement, Yvan, oui, je suis docteur junior en génétique médicale, affecté à Reims, mais à l'heure actuelle, en inter, je suis à Lyon. Et je termine bientôt en novembre, donc a priori, peux prendre un poste d'assistant. J'étais effectivement au bureau national de l'ISNI l'année dernière en tant que chargé de mission numérique, et comme Nawel, j'ai gardé un poste de consultant, comme on dit, un titre un peu parfois pompeux, disons, mais bon, pour aider sur des sujets qui nous tiennent à cœur, et bon, concernant, c'est le numérique et la formation essentiellement. Vous êtes déjà 256 connectés. Merci déjà d'être là, c'est pas mal. Alors, pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée, on va commencer par une intervention d'Antoine, justement, sur le côté, finalement, assurantiel, prévoyance mutuelle pour les docteurs juniors. Et ensuite, donc, avec Nawel, on a préparé une sorte de petit diapositive pour répondre aux questions récurrentes, en fait, sur le statut de docteur junior. En particulier les questions que vous avez posées sur Instagram ces dernières semaines. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions directement dans le chat, à la fois sur YouTube et sur Facebook, et je pourrai les afficher par exemple le message d'Hector, le castor ici présent. Merci pour la rime. Et ensuite, on essaiera de répondre un petit peu à vos questions en direct, donc n'hésitez pas à poser les questions. Et encore une fois, donc le live donc, est en direct ici sur YouTube et sur Facebook, mais sera disponible en différé dès la fin en fait, de l'année ce soir. Donc voilà, on essaiera de répondre au maximum des questions. Si on ne répond pas à tout, on répondra donc en commentaire et tout. Voilà, et puis je crois que je n'ai rien oublié. Et puis Sébastien Delécluse, qui est le projet de public et qui travaille, qui a son poste d'interne en fait. De la santé et des solidarités, donc est en réunion de crise là jusqu'à maintenant, et du coup il nous rejoindra normalement après pour voir en fait le point de vue entre guillemets ministériel/institutionnel pour ces différentes questions du docteur junior. Sans plus attendre, puisque vous êtes franchement connecté, je vais laisser la parole du coup à Antoine pour la partie le point de vue médical pour ce point-là. Du coup, Antoine, hop. Bon, c'est voilà. Bon là, vous voyez le... Bon, très bien.
Docteur junior, nouveau statut, quelles assurances? C'est vrai que ce statut qui est extrêmement récent, hein, puisqu'il date de novembre de l'année dernière, a amené pas mal d'interrogations à tous les niveaux. On a essayé à la médicale de répondre à ces interrogations. Vous avez peut-être été témoin en novembre, octobre de l'année dernière, d'une campagne qu'on a lancée sur les Facebook des internats partenaires avec ce charmant jeune homme, ce charmant docteur junior qui vous invitait un petit peu à faire le point sur votre protection. Il y a deux contrats principaux qui aujourd'hui sont impactés par ce nouveau statut de docteur junior. C'est évidemment en premier lieu la responsabilité civile professionnelle qui est vraiment le contrat le plus important qui doit vous accompagner durant tout votre internat et votre poste de docteur junior et derrière et plus tard ensuite un poste de chef de clinique ou assistant et même tout au long de votre carrière. Et la prévoyance. L'ARCP doit être modifié. Pourquoi ? Principalement parce que avec ce statut de docteur junior, vous avez de nouvelles responsabilités dont vous avez évidemment beaucoup entendu parler d'ores et déjà et qui seront réexpliquées tout au long de l'intervention de ce soir par Evan et Nawal, qui sont dans un premier temps l'exercice en autonomie supervisée. Voilà, c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose qui amène des responsabilités nouvelles et aussi la possibilité qui vous est donnée de faire des gardes seniorisées. Ces deux éléments-là sont vraiment les deux nouveautés par rapport au statut d'interne et du coup qui ont un impact sur votre RCP. Mais avant même d'aller un peu plus loin dans le contrat d'RCP d'un docteur junior, j'ai souhaité revenir un petit peu sur à quoi sert une RCP. On nous pose souvent la question, vous entendez parler de ce contrat depuis votre externat et beaucoup d'entre vous sont toujours assez incapable de dire à quoi ça sert. Donc, c'est important pour moi de faire un focus là-dessus pendant une petite minute. Aujourd'hui, en tant que praticien de santé, vous pouvez être confronté à trois problématiques majeures suite à un acte que vous pouvez être amené à faire sur un patient et vous pouvez vous retrouver face à trois juridictions différentes. La première, c'est la juridiction civile. La juridiction civile, c'est quoi ? C'est un patient qui estime que vous avez fait une faute et qui souhaite des dommages et intérêts. Il souhaite une réparation de cette faute. C'est là où vous allez potentiellement être jugé si vous êtes reconnu coupable à verser un certain nombre un certain montant à ce patient. Vous avez une deuxième juridiction qui est la juridiction pénale. Là, dans ce cas de figure-là, le patient estime que vous avez volontairement voulu lui nuire, attenté à sa santé, à sa vie, et donc il souhaite que vous fassiez de la prison. Et la troisième juridiction face à laquelle vous pouvez être confronté, c'est la juridiction ordinale. J'ai volontairement sur cette slide mis des ronds de tailles différentes pour que vous puissiez comprendre les importances différentes de ces trois juridictions. La juridiction civile, c'est le rond le plus important parce que c'est 90% des cas de figure que l'on rencontre, nous, aujourd'hui, en responsabilité civile professionnelle. La juridiction pénale, c'est extrêmement rare. Et la juridiction ordinale, ça l'est un peu moins, mais ce sont des cas de figure qui sont… c'est quand un de vos confrères estime que vous avez… voulu nuire à sa réputation ou autre, et donc du coup souhaite vous attaquer devant le Conseil de l'Ordre. Aujourd'hui, en tant que salarié de l'hôpital, que vous soyez interne, que vous soyez chef de clinique, que vous soyez docteur junior, vous avez une couverture par l'hôpital. Cette couverture de l'hôpital, elle est exclusivement sur la partie juridiction civile. Si dans le cadre de votre exercice à l'hôpital, un patient se retourne contre vous ou contre votre service, c'est l'assurance de votre employeur qui va vous couvrir, c'est donc l'assurance de l'hôpital. Pour ce qui est juridiction pénale et juridiction ordinale, ce n'est pas le cas. C'est votre contrat d'assurance, celui que vous avez souscrit lors de vos choix de poste quand vous avez commencé en première année d'internat ou même potentiellement avant. Et aujourd'hui, il y a trois assureurs principaux sur le marché que vous connaissez tous, qui sont la MACSF, le groupe Pasteur Mutualité et la médicale que je représente ce soir. Ces contrats vous couvrent aujourd'hui pour la partie pénale et la partie ordinale. Si un jour, certains d'entre vous, et on va dire beaucoup d'entre vous, je pense, embrassent une carrière libérale, votre contrat d'assurance RCP, que vous soyez à la MACSF, au groupe Pasteur Mutualité ou à la médicale, vous couvrira pour les trois juridictions. C'est pour ça que ce sont des contrats qui coûtent plus cher que ce que vous pouvez trouver lorsque vous êtes en carrière hospitalière. C'est parce que le risque couvert par l'assureur n'est pas du tout le même. Voilà. J'ai souhaité aussi faire un petit focus rapide sur ce qu'on appelle la faute détachable du service, qui est sûrement quelque chose dont vous avez beaucoup entendu parler d'ores et déjà, qui n'est jamais couvert par l'assurance de votre employeur. Ça, c'est hyper important, il faut le savoir. En cas de faute détachable du service,
c'est l'assurance que vous aurez mis en place avec une compagnie comme la médicale qui vous couvrira. Si vous n'avez pas mis en place de couverture, si vous avez oublié de mettre en place ce contrat, sachez que tous les risques seront pour vous. Une faute détachable du service, qu'est-ce que c'est? C'est une faute d'une gravité exceptionnelle qui vous est imputable en dehors de responsabilité du service et donc non couverte par l'hôpital. Alors, j'ai mis trois petits exemples. L'idée, c'est juste que vous compreniez un peu ce qu'on peut mettre derrière cette faute détachable du service et le risque que vous pouvez encourir, vous, derrière. Premier exemple, refus de l'interne de garde d'intervenir sur un patient aux urgences, parce que patient violent, parce que plein de raisons, vous souhaitez, vous décidez de ne pas vous en occuper, c'est une faute détachable du service. Vous portez assistance, en tant que praticien de santé, à une personne blessée dans la rue qui se retourne contre vous. Voilà. Ça arrive. Moi, j'ai eu le cas de figure il y a très longtemps en démarrant à la médicale de quelqu'un qui était intervenu sur quelqu'un qui avait fait un malaise dans la rue et qui lui avait fait un massage cardiaque qui lui avait cassé deux côtes. Et plus tard, cette personne s'est retournée contre mon client estimant que le massage avait été trop violent. Et voilà. Donc, c'est le genre de cas de figure face auquel vous pouvez être confronté. Et dernier cas de figure, vous avez un rendez-vous personnel que vous ne pouvez pas rater et du coup, vous allez à ce rendez-vous alors que les infirmières de garde vous ont appelé en vous demandant de venir voir un patient pour lequel il semblait y avoir un problème. Vous avez honoré votre rendez-vous perso avant d'aller voir ce patient. C'est une faute détachable du service. C'est vous, c'est votre responsabilité pleine et entière qui est mise en cause. L'hôpital se défaussera sur vous. Voilà. Donc, si je résume, trois juridictions différentes face auxquelles vous pouvez être confronté. La juridiction civile couverte par votre employeur, à savoir l'hôpital, sauf pour la faute détachable du service, la juridiction pénale et la juridiction ordinale qui est couverte par votre contrat d'assurance actuel. Globalement, à quoi sert donc une RCP? Ça sert dans un premier temps à payer vos frais d'avocat, c'est-à-dire organiser votre défense, payer les éventuels dommages et intérêts à un patient pour la juridiction civile. Évidemment, si vous êtes en juridiction pénale, votre RCP va organiser votre défense, va payer les avocats, mais ce n'est pas votre assureur qui ira en prison à votre place si jamais vous êtes condamné. Aujourd'hui, je pense et j'espère que certains d'entre vous, et même beaucoup d'entre vous ce soir, ont fait confiance à la médicale pour leur assurance RCP en tant qu'interne. Ce contrat, qu'on appelle la carte médicale plus, couvrira également vos deux années de docteur junior, la cotisation étant toujours prise en charge intégralement par la médicale. Ce contrat, cette couverture que vous avez d'ores et déjà, vous couvrira également pour les remplacements libéraux que vous pourrez être amené à effectuer durant les deux années de votre cursus de docteur junior. Il faut savoir aussi, et ça on a souvent tendance à l'oublier, que ce contrat, cette carte médicale plus de la médicale, n'est pas simplement un contrat d'assurance RCP, c'est aussi un contrat dans lequel on a mis d'autres garanties qui nous semblaient être pertinentes pour quelqu'un qui est interne et maintenant docteur junior, à savoir une protection juridique. Vous pouvez avoir, par exemple, on a eu le cas, nous, ici à Bordeaux, de litige avec le CHU sur le paiement de garde, par exemple, c'est arrivé, et donc vous pouvez faire appel aux avocats de la médicale pour défendre vos intérêts. Vous avez également un service d'information par téléphone sur des questions juridiques, fiscales et pratiques, une assistance psychologique par téléphone ou en consultation, parce que malheureusement, ça, des agressions dans les services d'urgence, ça arrive, ou en cas de décès d'un proche. Et vous avez également, si en raison d'une maladie professionnelle, vous êtes obligé d'arrêter votre cursus d'interne et vous devez vous reconvertir, vous avez également un capital de 12 000 euros qui peut vous être versé. Donc voilà, c'est un contrat aujourd'hui dont la cotisation est offerte et du coup, c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier l'importance qu'il revêt au sein d'un cursus d'interne et de docteur junior. Je vais passer la présentation, je vais parler maintenant de prévoyance. C'est ce que je vous propose parce que je n'ai pas accès, moi, pour l'instant, au chat, aux questions potentielles qu'il pourrait y avoir. Donc, on les reprendra à la fin de mon intervention, dans 3 minutes, avec Evan, et on fera un tir groupé sur la totalité de vos questions. Le deuxième contrat qu'il est important de mettre en place, soit de faire évoluer quand on devient docteur junior, c'est le contrat de prévoyance. Un contrat de prévoyance, c'est un contrat qui couvre votre rémunération. Et de fait, il y a une évolution de rémunération lorsque l'on devient docteur junior, comme vous l'explique le tableau que vous avez sous les yeux, avec à gauche en gris la rémunération en tant qu'interne avant la réforme du troisième cycle, et à droite le statut de docteur junior. Alors,
Je vous laisse regarder les chiffres, mais en gros, très concrètement, ce qui change principalement, c'est la prime d'autonomie supervisée que vous allez toucher, qui est de 5000 euros la première année, alors qu'avant, vous aviez une prime de responsabilité de 2050 euros. Donc, si vous regardez la dernière, les deux dernières lignes des deux colonnes, on voit que concrètement, la différence de rémunération est de l'ordre de 3000 euros sur la première année de docteur junior et d'un peu plus d'un tout petit peu moins de 2000 euros sur la deuxième année de docteur junior. Ce qui change également, au-delà de cette rémunération qui évolue un tout petit peu dans le positif pour vous, du fait des nouvelles responsabilités que vous avez, c'est également la protection sociale que vous avez. En cas d'arrêt de travail, vous avez, comme vous le voyez sur le tableau, alors une couverture les trois premiers mois à 100% de vos émoluments hospitaliers et de vos indemnités. Tout en sachant, vous voyez la dernière ligne, la ligne garde en haut, que les gardes, si vous êtes dans une spécialité qui vous permet de faire beaucoup de gardes, faut savoir que les gardes ne sont jamais couvertes par la sécurité sociale. Les revenus que vous touchez tous les mois de vos gardes ne sont jamais couverts. Que vous soyez interne, que vous soyez docteur junior ou que vous soyez chef de clinique ou ensuite PH si vous l'êtes, si vous faites des gardes encore. Au-delà des trois mois d'arrêt, vous voyez que votre couverture chute de manière assez importante puisque vous n'êtes plus couvert qu'à hauteur de 50% de vos émoluments et de vos indemnités. Et si malheureusement pour vous, vous avez un arrêt de travail de plus d'un an, là, ça devient assez problématique parce que votre couverture, ce n'est plus votre régime statutaire, c'est uniquement la sécurité sociale qui vous couvre à hauteur de 50% du salaire journalier de base. Ce qui représente le salaire journalier de base, c'est à peu près 1200 euros par mois. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de la baisse drastique de couverture. Ça, c'était pour la partie arrêt de travail. En cas d'invalidité, donc l'invalidité, c'est quoi? C'est un état de santé qui est définitif suite à soit une maladie, soit un accident. Là, c'est encore plus dramatique, la couverture en tant que docteur junior, parce que si vous êtes en catégorie 1, par exemple, c'est que votre capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers, c'est-à-dire que là, on ne tient même pas compte du fait que vous soyez médecin, spécialiste, chirurgologue, anesthésiste, dermatologue, tout ce que vous voulez. La sécurité sociale se base exclusivement sur votre capacité à vivre au quotidien pour déterminer votre invalidité. Et là, vous voyez que potentiellement, si vous êtes en capacité de travail ou de gain réduite, vous pouvez toucher maximum 1028 euros par mois jusqu'à votre retraite. Si vous êtes en catégorie 2, c'est-à-dire que vous êtes dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle, là, on est vraiment dans un cas de figure dramatique où vous êtes en fauteuil et vous êtes vraiment extrêmement invalide et vous ne pouvez plus rien faire, vous allez toucher 1700 euros par mois. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de la couverture sociale, des carences de cette couverture sociale, que ça soit en arrêt de travail, la slide dont on a parlé juste avant, et également en cas d'invalidité. En cas de décès, j'en parle pas, mais en gros, vous avez un capital décès de 3000 euros qui est versé à vos ayants droit si jamais vous décédez durant votre internat ou votre poste de docteur junior. Donc voilà, vous voyez une perte de revenus qui peut être extrêmement importante. Tout ça, vous pouvez le protéger au travers d'un contrat de prévoyance dont l'intérêt principal en arrêt de travail est de venir compléter les trous de la couverture de la sécurité sociale. Alors, on va pas se mentir, aujourd'hui, en tant qu'interne et docteur junior, vous avez une couverture à 100% les trois premiers mois. La mise en place d'une prévoyance est intéressante ou du moins n'est importante que pour vous couvrir en cas de pépin de santé conséquent, au-delà de trois mois. Ce qui est assez rare, somme toute, mais qui arrive, et encore une fois, il faut en avoir conscience, vous pouvez avoir une pathologie ou les suites d'un accident qui vous empêche d'exercer pendant 5 mois, 6 mois, 8 mois, et c'est à ce moment-là qu'un contrat de prévoyance a son intérêt. Parce que il vient couvrir les manques pour vous indemniser, par exemple des gardes. Si vous faites des gardes aujourd'hui dans votre activité d'interne et si vous en faites dans votre des gardes seniorisés dans votre activité de docteur junior, ça sera extrêmement intéressant de pouvoir les couvrir, sachant que les gardes, elles vous sont couvertes dès le 15e jour d'arrêt en maladie et non pas au-delà de 3 mois comme la sécurité sociale. Voilà. Donc, pourquoi une prévoyance sur la partie invalidité? C'est que les contrats de prévoyance des assureurs spécialisés dans les professions de santé vous couvrent en invalidité, non pas sur le barème de la sécurité sociale, mais sur votre capacité à exercer votre spécialité. Ça, c'est extrêmement important. Si vous êtes anesthésiste, par exemple, et que vous perdez l'usage d'une main,
chez nous, vous serez invalide à 100% et on vous payera votre rente d'invalidité jusqu'à votre retraite ou jusqu'à vos 65 ans. D'accord? Parce que, ben, aujourd'hui, un ANS qui perd l'usage d'une main, c'est extrêmement compliqué. Si vous êtes chir, c'est pareil, etc., etc. Et le dernier intérêt d'une prévoyance, c'est de couvrir vos proches en cas de décès. Alors, je suis aujourd'hui agent général de la médicale. Je travaille pour cette compagnie. Avec mes associés à Bordeaux, on gère un peu plus de 9000 clients et un peu plus de 1000 internes et de chefs de clinique. Donc, je vais parler de ce que je connais le mieux, à savoir le contrat de la médicale aujourd'hui de prévoyance, qui est un contrat qui est 100% personnalisable, c'est-à-dire que si vous souhaitez n'être couvert qu'à hauteur de 80%, 60% de vos émoluments, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous voulez 100 euros de garde, 300 euros jusqu'à 4000 euros, on peut également vous le proposer. Tout ce qui est grossesse pathologique, qui est un sujet qui revient quand même assez régulièrement, troubles disco-vertébraux, burn-out, agression, ce sont des éléments qui sont couverts par notre contrat, que ce soit en tant qu'interne, docteur junior ou chef de clinique. Vous pouvez être indemnisé en cas de reprise à but non thérapeutique et surtout, si à l'issue de votre statut de docteur junior, vous prenez une dispo avant un poste de chef de clinique, sachez que notre contrat continue à vous couvrir pendant un an, même si vous n'avez plus de rémunération de docteur junior. C'est un maintien des garanties qui est extrêmement important parce qu'on sait pertinemment à la médicale que à l'issue de vos 2 ans de docteur junior, vous pouvez potentiellement attendre 6 mois, 1 an avant d'avoir un poste d'assistant ou de chef et que du coup, pendant ces 6 mois, 1 an, vous allez faire autre chose, vous allez peut-être faire un voyage. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément la mode de partir faire le tour du monde, mais bon, j'espère que dans quelques mois, on pourra revenir à une vie normale et que vous pourrez partir à la découverte du monde à l'issue de votre statut de docteur junior. Vous pouvez faire quelques remplats libéraux, voilà. Donc ça, c'est une garantie qui est quand même importante. En plus, aujourd'hui, le contrat de prévoyance docteur junior commence à partir de 10 euros par mois. Et je vous ai mis sur la slide d'après 2 petits exemples qui vont vous permettre de prendre conscience que c'est un contrat qui est assez peu onéreux et qui a une importance vraiment primordiale. Je vous ai mis donc 2 exemples. Tanguy, docteur junior en dermato, qui nous a demandé une proposition sur 100% de ses émoluments en cas d'indemnité, en cas d'arrêt de travail et d'invalidité. 30 000 euros de capital, ouais. Donc, il te reste 1 à 2 minutes. Parce que... Et il me reste 2 slides, donc c'est terminé après. Voilà. Donc, sur un contrat sans indemnité de garde, on est à 14 euros par mois et quelqu'un qui souhaite assurer 1 000 euros de garde, on est à 18 euros par mois, sachant qu'à partir du 1er juin, on a une opération qui va sortir avec 3 mois offerts. Donc, la prévoyance, c'est un contrat qui est primordial, qui ne coûte pas si cher que ça et qui, de toute façon, va vous suivre tout au long de votre carrière, que ce soit une carrière hospitalière ou une carrière dans le libéral. Voilà. J'en ai terminé avec la partie prévoyance. En résumé, on a sorti à la médicale et je pense que la compagnie va le faire parvenir à vos représentants de l'ISNI, toute une brochure de 4 pages qui en fait revient sur la totalité de la réforme avec les changements qui ont été amenés par ce statut de docteur junior, notamment en 7 points clés. Et on a également un autre document qui vous reschématise et resynthétise les différentes assurances importantes en tant que docteur junior. Donc ça, je laisse les représentants de la Médicale Paris pouvoir les faire parvenir aux représentants de l'ISNI, tout en sachant que nous, à Bordeaux, on va les mettre à disposition de l'AIHB, qui est donc le syndicat des internes de SPÉ de Gironde. Voilà, j'en ai donc terminé. Dernière chose, vous voyez la carte de France avec toutes les agences de la Médicale qui sont représentées. En fonction de votre internat, vous allez sur le site de la Médicale en rentrant le code postal de votre internat et vous trouverez les collègues à qui vous adressez pour répondre à vos questions. Voilà, donc j'en arrive à la période des questions. Je vais arrêter le partage de connexion pour pouvoir prendre connaissance des éventuelles questions que vous avez pu poser. Voilà. Merci André. En fait, on n'a pas du tout de questions, donc ça a dû être extrêmement clair de bout en bout. Eh bien, écoute, j'espère, à moins que j'ai endormi tout le monde avec ce sujet des assurances, qui n'est pas forcément le sujet le plus sexy, mais qui malheureusement est un sujet sur lequel il faut se pencher, parce que ça peut, dans certains cas de figure, se révéler dramatique si jamais on n'a pas d'RCP ou pas de prévoyance. Mais s'il n'y a pas de questions, je vais garder ta remarque comme quoi mon intervention était brillante et a répondu à toutes les questions que les gens se posaient. Dès la flatterie gratuite. C'est des sujets extrêmement importants qu'on doit prendre entre guillemets le temps de digérer
C'est des choses qui sont à peu près connues par les internes. Il faut arriver à faire le changement quand on devient docteur junior. Ok, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour votre invitation, merci pour cette belle série de webinaires que vous avez lancée, c'est toujours agréable de pouvoir intervenir. Et encore une fois, s'il y a des questions, vous pourrez me les faire remonter, ou de toute façon sur le site de la médicale, il y a déjà beaucoup de réponses. De Murat. Ouais. Peut-on se faire rembourser les frais d'avocat si on a déjà pris un avocat nous-mêmes ? Alors, je pense que ta question concerne non pas une problématique de responsabilité civile professionnelle, mais de protection juridique, je pense, Murat. Alors, oui, la garantie protection juridique que vous avez aujourd'hui dans la carte médicale plus est double. C'est, vous avez un litige, soit vous n'avez pas d'avocat et vous demandez aux avocats de la médicale d'intervenir pour vous, d'accord ? Donc, c'est les avocats de la médicale qui vont faire les courriers, etc., relatifs à ce litige. Soit vous nous dites, voilà, j'ai un litige avec un voisin, par exemple, qui, en reculant son gros 4x4, a défoncé mon mur et il ne veut pas le payer. Vous souhaitez intenter une action contre lui et vous dites, voilà, moi, j'ai mon avocat. Est-ce que la médicale peut prendre en charge les frais de cet avocat-là ? Et vous déclarez un sinistre protection juridique et on va vous prendre en charge les frais de votre avocat à hauteur des plafonds qui sont en fonction des juridictions et en fonction de votre situation. Mais effectivement, la médicale peut prendre en charge votre avocat si vous l'avez déjà pris vous-même. Ok, super. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Murat. Et j'espère surtout que si tu as un souci actuellement, c'est pas trop, trop important. On souhaite à Murat qu'il n'y ait pas un souci effectivement trop compliqué. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Antoine en tout cas. Merci à vous encore une fois. Très très bonne soirée. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. Voilà, la médicale et tous mes collègues, on sera tous ravis de répondre à toutes vos questions. Bon courage à vous tous qui allez rentrer dans ce nouveau statut et bon courage aux autres qui vont juste changer de stage pour repartir pour 6 mois. À très bientôt. Super. Alors, du coup, on va faire le jeu des chaises musicales puisque Antoine va nous laisser pour discuter de la suite. On va ajouter dans la boucle Sébastien de l'Écluse. Alors, du coup, je crois qu'il est peut-être en discussion à côté, donc je te laisserai activer ton micro quand tu seras disponible, Sébastien, que tu puisses te présenter dans 20 secondes. Donc, comme je disais, Sébastien, il est docteur junior en santé publique, mais je pense que si tu es dispo, je te laisse te présenter directement. Ouais, pardon, désolé du retard pour arriver. Donc Sébastien Lecluse, je suis docteur junior en santé publique et donc au cabinet du ministre des Solidarités et de la Santé depuis quelques mois, principalement sur les sujets offre de soins et quelques sujets formation connexes. Très bien. Alors du coup, comme vous allez vite le comprendre, en gros, Nawel et moi, on va avoir le versant plutôt ISNI et on va faire la présentation comme on vous disait tout à l'heure. Et puis après, dans le temps d'échange de questions, voilà, on pourra discuter, avoir un peu l'avis entre guillemets officiel. Forcément, Sébastien ne peut pas parler au nom d'Olivier Véran, hein, donc il ne pourra pas répondre à toutes les questions que vous avez. En tout cas, il ne peut pas trancher. Mais tout ça pour dire que voilà, ça permet d'avoir un deuxième avis. Alors, du coup, je vais vous partager la présentation, donc normalement que vous voyez tous. Donc pour commencer simplement, un petit élément pour ceux qui n'ont pas encore répondu à l'enquête stéréotype, on a une enquête en cours au sein de l'IFNI que donc Nawel a piloté entre autres, et l'idée c'est d'essayer de faire le point en fait sur les stéréotypes dans les différentes spécialités. C'est une enquête qui dure jusqu'à la semaine prochaine, on a plus de 2000 réponses, mais si vous êtes intéressé pour répondre, n'hésitez pas, donc on vous met le lien ici et dans le chat. L'idée c'est vraiment de répondre en première approche, qu'est-ce que vous pensez des différentes spécialités, et ça va faire l'objet en fait d'une publication, mais c'est surtout de deux thèses d'exercice, une thèse en psychiatrie, donc vous verrez qu'il y a des questions spécifiques à la psychiatrie qui souffrent on va dire de pas mal de stigmatisation et de préjugés, et une thèse en médecine générale que Nawel encadre. Donc voilà, ça c'était le point communication. Ensuite, du coup, pour le statut de docteur junior, pour entrer dans le vif du sujet, alors vous savez déjà plein de choses, je pense, mais le docteur junior, du coup, c'est un praticien en formation, donc jusque-là, pas d'anomalie, c'est un agent public non titulaire, comme un interne finalement. Et la différence avec un interne, c'est que c'est un étudiant en troisième cycle de médecine, en phase de consolidation. Donc c'est la fameuse phase 3 de votre internat, phase 3 qui concerne tous les DES, sauf la médecine générale. Pour ceux d'entre vous donc, qui sont en médecine générale, il y a une phase 1, une phase 2, et
En tout cas, à ce stade, il n'y a pas de phase 3. Il y a des discussions en cours sur une éventuelle quatrième année, mais on va bien se garder d'avoir The Devil là ce soir. Mais voilà, ce qui fait que ça différencie un petit peu de l'interne à l'heure actuelle. En théorie, enfin, quand vous êtes docteur junior, vous n'êtes plus interne. Vous êtes toujours étudiant en troisième cycle, mais vous n'êtes plus interne. Et ce qui la différencie, c'est que vous avez en fait validé votre phase d'approfondissement, pardon, c'est une coquille dans le diaporama, et vous avez soutenu votre thèse. Donc ça, c'est quelque chose qui est... oui, on vous parlera du report de semestre à la fin, si vous voulez, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que ça, malheureusement. Il faut avoir validé sa thèse, et je vous rappelle qu'il faut valider sa thèse avant le début de la phase de consolidation. Donc ça sous-entend que, par exemple, si vous commencez en novembre prochain, il faut valider avant le 31 octobre. Et des dispositifs, on va dire, de décalage, c'est-à-dire une FST, un Master 2, une disponibilité, ça vous permet de décaler votre passage de thèse. Donc ça peut être des solutions finalement pour gagner du temps, entre guillemets, pour passer sa thèse, mais vous avez cette obligation de passer la thèse avant le passage en docteur junior. Si jamais vous n'avez pas passé la thèse, en fait, vous êtes décalé, bon, c'est ça, c'est un peu problématique, et c'est des situations que l'ISNI a accompagnées ces derniers mois, par exemple. Et ensuite, vous avez donc ce côté spécifique de vous inscrire à l'ordre, donc a priori, tous parmi vous, enfin tous ceux qui vont devenir docteur junior ont déjà un numéro RPPS, mais vous n'êtes pas inscrit à l'ordre, et là en fait, vous recevez un document du CHU, et vous remplissez en fait sur le site du Conseil National de l'Ordre, un formulaire, et voilà, relativement long avec différents documents, votre attestation de validation de thèse, différents documents à mettre en ligne. Donc, dans les 3 mois, pour vous inscrire sur un tableau spécial qui correspond à l'ensemble des docteurs juniors en France. C'est un tableau spécial par région ou par département. Et suite à cette inscription, vous aurez donc un coup de téléphone d'un membre du Conseil de l'Ordre qui vous expliquera comment marche l'Ordre des médecins. Donc voilà, ça vous permet un peu de présenter les choses. Et effectivement, pour l'avoir fait moi-même l'inscription, bah, c'est... un peu casse-pied dans le sens où il y a pas mal de papiers, dont le diplôme, des choses comme ça, mais une fois que c'est fait, disons que c'est bouclé, au moins on n'en parle plus. C'est une inscription qui est gratuite, en tout cas autant que de chasse, dans tous les départements. Ensuite, il y a différents textes qui régissent le statut de docteur junior, je ne vais pas vous enquiquiner trop là-dessus, mais vous aurez du coup la visualisation de la diapo sur le webinaire, donc en différé. Il y a donc celui qui décrit le statut de docteur junior, qui est un décret du 3 juillet 2018, puis après, il y a 2 arrêtés du 15 janvier et du 16 janvier qui en fait parlent de l'autonomie supervisée, par exemple, pour celui du 16 janvier, puisque vous savez qu'il y a une notion finalement pour ce docteur junior, contrairement à ce qui était prévu avant dans les dernières années d'internat, de progressivité finalement dans cette autonomie. C'est décrit un peu plus que ça via un référentiel de situation. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus cadré, en tout cas légalement, par rapport aux précédentes moutures de DES. Et enfin, il y a la situation finalement des gardes et astreintes médicales. On en reparlera tout à l'heure, mais un docteur junior, en début de docteur junior, il est sur la liste des gardes des internes, et à sa demande, sur validation de différentes personnes, dont le coordinateur de DES et le chef de service, il peut basculer sur la liste de gardes des médecins seniors. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu les textes de base qui sont relativement faciles à trouver. Alors c'est des textes législatifs, donc ils ne sont pas toujours transparents, mais si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à contacter la juriste de l'ISNI, par exemple, pour qu'on vous explique les différents éléments. On a mis quand même pas mal d'informations sur le site internet de l'ISNI. Donc voilà, c'est quand même les éléments un peu cadrants. Ensuite, ce qui inquiète, on va dire, ce qui fait beaucoup discuter, c'est le choix de stage en docteur junior, qui est ce fameux choix de stage, donc par l'appariement. J'ai bien vu vos questions, hein, Caroline et Victor. Victor, il répondra pour les rémunérations. Pour les diapos suivantes, je veux dire, et Caroline, alors autant que je sache, pour moi, il y a bien 2 inscriptions différentes. L'inscription en tant que médecin remplaçant n'est pas la même que le tableau spécial du docteur junior, parce que c'est, en fait, en tant que docteur junior, t'es médecin inscrit à l'ordre, mais t'es pas médecin senior, du coup, c'est bien 2 statuts différents. On pourra refaire le point là-dessus, mais autant que je sache, en tout cas, c'est ça. Du coup, pour le choix de stage, vous le savez probablement, donc ça a été fait, enfin, ça se passe sur la plateforme qu'on appelle CIMOP, pour le module de CIMOP qui s'appelle CIMOP Appariement, parce que CIMOP, en fait, c'est prévu pour être une plateforme avec différents outils, le choix de stage pour les internes plus jeunes, la gestion du contrat de formation, des tableaux de suivi, en fait, des internes au fil du temps. Donc ça, c'est des choses dont on ne va pas forcément parler ce soir, mais voilà, il y a différents éléments.
Et le choix de stage donc, se passe de façon régionale et pas au niveau de la subdivision. Je rappelle que la région, c'est la région au sens ARS, qui est vraiment la région au sens administratif du terme. Donc, pour donner un exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça correspond aux subdivisions de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble. La région Grand Est, ça va être Strasbourg, Nancy et Reims, par exemple. Et donc, d'emblée, vous choisissez en fait sur ces zones-là et pas uniquement dans votre subdivision. Ça marche sous la forme d'un dépôt de dossier. Vous avez un contrat de formation à déposer, donc le fameux contrat dont je parlais tout à l'heure. Ça, du coup, je vous encourage vivement à le remplir pour ceux qui sont déjà faits. En théorie, le contrat de formation, vous devez le remplir courant de première année en phase socle. Et c'est un contrat, en tout cas, que vous devez remplir en partie. Et c'est un contrat qui est censé vous permettre de vous projeter en fait dans l'avenir avec des questions, par exemple, sur qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez entre guillemets plus grand en tant qu'assistant ou médecin senior. Est-ce que vous voulez faire plutôt du soin uniquement, de la recherche, de l'enseignement, de management, autre. Enfin, quel est votre objectif et quel est votre niveau de formation. Et c'est censé vous aider finalement à vous accompagner tout au long de votre internat. Et donc un CV, une lettre de motivation. Ensuite, il y a l'étape des candidatures sur les différents terrains de stage disponibles. Ça marche par des cœurs. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas. Il faut mettre en gros de 1 à 5 cœurs pour chacun des postes qu'on choisit. Plus il y a de cœurs, forcément, plus on est tenté par ce poste. On a à peu près une semaine en fait pour faire ces candidatures. Et ensuite, on a donc le classement dont parlaient responsables de terrain de stage, les RTS, des différentes candidatures sur leur terrain de stage. C'est-à-dire qu'en fait, les candidatures sont bloquées, les internes ont accès à la plateforme mais ne peuvent plus rien faire. Et ensuite, donc, c'est les responsables de terrain de stage qui vont classer, sans connaître le nombre de cœurs, l'ensemble des candidatures de leur terrain de stage. Donc, mettons, si vous avez 3 internes qui ont choisi le poste de réanimation pédiatrique, de l'hôpital femme-mère-enfant à Lyon, le chef de service, enfin, le responsable du terrain de stage aura accès à ces 3 candidatures, ne saura pas quel est le nombre de cœurs affectés par chaque interne, aura accès donc au contrat de formation, au CV, à la lettre de motivation, et va pouvoir finalement classer les internes, les candidatures en fonction voilà, des différentes des différents documents qu'il a à disposition. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le responsable de terrain de stage doit forcément classer en premier un interne de la subdivision s'il existe. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous prenez la région Grand Est et qu'il y a un interne de Strasbourg qui veut aller faire un stage à Reims, et qu'il y a déjà sur le même poste une candidature d'un interne de Reims, l'interne de Reims sera, quoi qu'il en soit, prioritaire dans sa propre subdivision. C'est une solution qui a le mérite d'exister pour permettre d'éviter d'un interne d'une subdivision donnée de devoir déménager dans la subdivision d'à côté. Et du coup, en étape 4, vous avez l'algorithme d'appariement qui joue, donc c'est un algorithme qui a été publié dans la littérature, mais peu importe pour les détails, et qui va en fait tenter de trouver l'appariement le plus adapté entre tous les choix qui ont été faits, c'est-à-dire les cœurs d'un côté et puis les classements de l'autre. L'affectation se fait sous forme de 3 tours, donc un premier tour avec cet algorithme, un deuxième tour également avec l'algorithme, et un troisième tour qui se fait par conciliation finalement, en commission organiser le choix au maximum. La durée des stages, la majorité des spécialités sont plutôt en 6 mois, mais il y a eu beaucoup de DES, par exemple les DES de chirurgie essentiellement, qui ont demandé à ce que les stages se fassent en 1 an. Donc c'est quelque chose qui est en cours de fixation. En fait, il y a eu tout un tas de comités de DES ces derniers mois et ça c'est pas tout à fait encore terminé. Ça va être fixé très précisément. Sachant que l'enjeu, c'est soit vous faites des stages longs, vous pouvez rester donc longtemps dans le même service et vous adapter plus au service et finalement prendre plus d'autonomie, soit vous faites des stages plus courts et ça évite certains problèmes comme des choix quand il y a des situations de décalage, par exemple en cas de grossesse, d'arrêt maladie, etc. Donc ça fait partie des choses qui sont encore en suspens et je vous recommande vivement d'aller voir la maquette de votre DES pour vérifier déjà comment c'est à l'heure actuelle, pour savoir précisément comment c'est fait. J'ai bien vu les questions hein, sur le chat, hein, je vais y répondre. Les grandes idées donc pour cet appariement, c'est déjà d'organiser, enfin de vraiment tout anticiper et d'organiser les ouvertures de postes. Donc j'ai parlé de l'algorithme, mais en réalité, même si bon, c'est vrai qu'il y a des grosses craintes à ce niveau-là de pistonnage, l'enjeu énorme en fait de l'appariement, c'est vraiment de discuter des demandes de postes en amont avec les responsables de terrain de stage, avec votre coordinateur de DES et avec vos représentants des internes locaux et surtout avec vos co-internes, enfin les internes de votre promotion, pour que les postes soient ouverts de la meilleure façon possible. En gros, c'est un peu
enfin, pas mal d'enjeux de ces derniers mois, c'est de s'assurer que finalement l'algorithme, le côté informatique, ait le moins de rôle possible et qu'un maximum de choses soient calibrées à l'avance. Alors évidemment, ça pose un problème de justement que ça demande beaucoup de diplomatie, de prendre le temps de discuter, et c'est la même problématique que dans les cas de l'assistanat, et ça, on en est bien conscient. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Ensuite, évidemment, le CV, le contrat de formation, il faut le préparer, donc ça me permet de répondre répondre à la question de Salma sur si on n'a jamais signé de contrat de formation. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En théorie, votre contrat de formation, vous devez l'avoir rempli au moins en partie en phase socle, et vous pouvez le mettre à jour régulièrement par la suite. Donc il faut vous rapprocher de votre coordinateur de DES s'il n'est pas au courant, et rapprochez-vous de votre interne référent ou de votre syndicat ou association d'interne locale. Pour le coup, ils sont au courant. C'est un document qui est disponible en ligne. Alors, éventuellement, si vous êtes intéressé, je peux vous repartager le modèle, hein, mais ça, les facs l'ont normalement. Il faut que ce soit prévu au maximum, enfin aussi rapidement que possible. Comme je vous dis, en théorie, le contrat de formation, il est censé vous accompagner tout au long de votre internat. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément simple à remplir quand il faut voir un peu tout le monde pour discuter de tout ça. Mais c'est que moi, je trouve que c'est intéressant justement pour arriver à se projeter un petit peu dans le futur. Donc, si on n'a jamais signé de contrat de formation, bah, c'est très bête. Pour l'instant, c'est un petit peu souple là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut arriver juste avec une lettre de motivation, mais ça va être de plus en plus compliqué. Et c'est quand même très précisément, enfin voilà, ça fait partie des choses essentielles finalement de cet appareillement. Donc voilà. Ensuite, ça me permet de répondre à différentes questions. Les stages hors subdivision, hors région sont possibles. Pour rappel, en stage hors subdivision, vous avez deux solutions. Soit vous êtes intra-région, comme vous dans Docteur Junior, vous êtes forcément en choix régionable, la question ne se pose pas. Soit vous êtes en stage hors subdivision extra-région. Et là, pour le coup, il faut faire un dossier de demande de stage comme vous le faites en phase 1 et phase 2. Donc, la procédure, c'est celle habituelle. Mais un, méfiez-vous, certaines facultés ou CHU le bloquent. Parfois, c'est pas prévu à la maquette. Souvent, les interchus sont prévus en phase 2. À l'heure actuelle, ISNI essaye de faire autant que possible que sinon ce soit accepté un maximum, en particulier dans le cadre des projets professionnels de post-internat. Mais encore une fois, anticiper les choses au maximum pour que tout le monde soit OK et que les choses se passent au mieux. Donc voilà pour ces différents éléments. Alors je vais voir si je peux répondre à d'autres questions avant de passer à la diapositive suivante. Si un service accueille un docteur junior, est-ce que ça lui supprime un poste d'interne de phase socle ou d'approfondissement? Alors normalement, non. C'est bien des postes différents. Le souci, c'est des choses qui vont être vues dans les semaines à venir. C'est pour les spécialités comme par exemple la pédiatrie qui gagne un an de formation. Enfin, qui a un an de formation dans le DES en supplément. Mais cette question-là, si ça vous va, on va y revenir tout à l'heure pour avoir un petit peu l'avis de Nawel et Sébastien. Pour le changement de région, donc j'en ai parlé, effectivement, c'est des choses bien, bien à cadrer. Donc Alexandra, j'y répondrai tout à l'heure, ce sera plus simple. Et pour les gardes, on en parlera aussi tout à l'heure. La question des gardes et des certificats d'hospitalisation sous contrainte pour les psychiatres, c'est une question récurrente. Donc, on va prendre le temps d'y répondre tout à l'heure. Alors, je vérifie juste. Rapidement, pour ça, qu'en est-il des interchus de 6 mois pendant l'internat de chirurgie phase docteur junior? À l'heure actuelle, beaucoup de DES sont en phase d'un an. En stage d'un an. Et du coup, c'est le questionnement actuel. Et c'est des choses qui sont en cours d'arbitrage, en fait. On y reviendra tout à l'heure de façon plus précise. Est-ce qu'il y a une obligation de changer de terrain stage tous les 6 mois? Vous pouvez choisir deux semestres successifs le même stage sur la phase d'appariement, mais il y aura, en tout cas à ce stade, il y a bien un appariement pour tous les 6 mois. Voilà. Donc le stage à l'étranger, c'est la même chose hein, que les stages hors région, c'est des choses à organiser précisément, et méfiez-vous, selon les pays, en fait, les autorisations pour aller faire un stage en tant qu'interne, c'est-à-dire ne pas être en observateur, varient énormément. Ok. Ce que je vous propose, c'est de continuer de faire les différentes questions à la fin. Comme ça, on fera le tri, on discutera à 3 voix si ça vous va. Ce sera plus simple. Et Nawel, je te passe la parole pour la suite.
Ça marche, ben merci Evan. Juste, je complète ton propos, tu sais, sur les stages de 6 mois. En fait, ce qu'il faut bien comprendre pour cette année, c'est que tout le monde choisit, enfin fait 2 fois le big matching parce qu'il y a eu un décret l'année dernière, mais qu'après, ça va dépendre des maquettes. Comme tu disais, il y a pas mal de choses qui sont actuellement en cours, notamment dans le cadre des réunions de suivi. Donc ça, vos associations de spécialité sont bien au courant. Et il y a peut-être des modifications qui auront lieu au niveau des maquettes. Qui vont rentrer en vigueur à partir de novembre. Donc, certaines maquettes où pour le moment la phase de consolidation s'est écrite en 1 an, il se peut qu'il y ait des modifications et que ce soit possible de le faire aussi en 2 fois 6 mois. Mais pour cette année, comme a dit Evan, du fait du décret d'avril 2020, toutes les spécialités en fait ont fait deux big matching. Donc, que vous compreniez bien du coup pour ceux qui sont dans des DES comme la dermato et autres, par exemple, ou MPR ou neurologie. Alors, il se trouve que, a priori, on t'entend mal. Là. Ah, tu m'entends là ou pas? Bah, moi, je t'entends très bien, mais il semblerait que sur le live, c'est. Ah, c'est okay, bizarre. Bon, je vais essayer de parler plus lentement et d'articuler un peu mieux. Alors, donc, si on en arrive là maintenant donc, à tout ce qui est salaire du docteur junior, donc en fait, là, on parle bien en montant brut. Votre salaire annuel de base donc, du docteur junior, que ce soit le docteur junior de première ou deuxième année de phase de consolidation, c'est 27 125 euros. Somme à laquelle va s'ajouter une prime d'autonomie supervisée qui va remplacer en fait la prime de responsabilité qui était donnée aux internes donc de l'ancien régime. Et cette prime, en fait, elle va être différente du moment que vous êtes en première ou deuxième année de votre phase de consolidation. Donc, elle s'élève, cette prime, à 5 000 euros brut annuel la première année et 6 000 euros brut annuel la deuxième année. Donc, soit pour les docteurs juniors qui ont des phases de consolidation en 2 ans, soit pour des docteurs juniors qui ont une phase de consolidation en 1 an et qui vont rajouter 1 an à leur cursus avec une option, comme par exemple les cardiologues, les radiologues, etc., où vous êtes concerné par cette phase qui va augmenter. Tu peux passer à la diapo suivante. Au niveau des gardes, il n'y a rien du tout. Si, si, alors. Ok, d'accord, je ne savais pas qu'il y avait une animation entre-temps. Donc, en fait, comme vous a expliqué Evan tout à l'heure, en fait, la phase de consolidation marche selon le régime de l'autonomie progressive, et ce mot est hyper important, de progression supervisée. Donc, en fait, quand vous commencez votre phase de docteur junior, normalement, vous êtes censé faire des gardes d'interne, donc être inscrit avec les autres internes sur le tableau de garde d'interne. À partir du moment où vous vous sentez prêt, vu que vous devez justement acquérir de façon progressive une autonomie, vous pouvez solliciter votre responsable de terrain de stage, donc votre chef de service, votre coordinateur, et demander à être basculé sur le tableau de garde des seniors. Il faut bien sûr demander aussi, faire la demande au niveau de la direction des affaires médicales, parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes sur le tableau de garde des seniors, vous ne pouvez pas être sur 2 lignes de garde, parce que sinon, ça risque de mener à des situations de dépassement du temps de travail, etc., etc. Donc, quand vous basculez, vous passez que sur le tableau de garde, normalement, des seniors. Et sur ces gardes-là, normalement, vous êtes en autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un aide senior à côté qui est de garde avec vous ou qui est en astreinte. À la rigueur, sur l'hôpital, vous pouvez toujours demander conseil à un confrère senior, pas docteur junior, ou à un autre docteur junior de garde, hein. Mais ça rentre plutôt dans le cadre des avis. Vous avez, entre guillemets, pas vraiment de filet de sécurité avec un autre senior qui serait de garde ou d'astreinte, parce que sinon, la garde de docteur junior de senior n'aurait pas de sens. En termes de rémunération, bah, c'est assez simple. Les gardes d'interne, en fait, elles sont rémunérées comme toutes gardes d'interne. Donc, notez bien qu'il y a eu une revalorisation des gardes d'interne en plus que du salaire d'interne suite aux différentes discussions dans le cadre du Ségur de la santé. Et au niveau des gardes de seniors, donc quand vous faites des gardes seniors, donc ça, c'est la rémunération brute où vous êtes en fait payé 133,90 euros sur ces gardes pour par exemple samedi après-midi et sur les autres types de gardes pour une nuit complète ou un dimanche ou jour férié, c'est une base en fait qui est multipliée quasiment par 2, enfin un peu plus que 2, 267,82 euros brut. Donc, il y a quand même une différence de somme par rapport à la garde de rémunération d'interne.
J'avais vu une question tout à l'heure passer sur le repos de garde, sur la différence garde interne, garde senior. C'est la même chose, hein. Quand vous faites une garde senior ou une garde interne, vous avez le droit à un repos de sécurité qui est au minimum de 11 heures. Donc, en fait, si vous voulez, le lendemain de votre garde, si vous avez un repos de sécurité qui est de 11 heures, en fait, vous ne vous rendez pas sur votre lieu de travail pour effectuer des activités tant médicales que universitaires ou autres quand vous êtes encore dans le cadre de votre internat. Parce qu'il ne faut pas oublier un docteur junior. Certes, ça ne s'appelle plus interne, mais vous êtes en fait dans le cadre encore du troisième cycle de vos études médicales. Donc, même en étant un praticien en formation, voilà le statut que vous avez, vous restez quand même dans le cadre du troisième cycle comme un interne, en fait, en quelque sorte. Donc, que ce soit des gardes seniors ou d'internes, même de toute façon, un senior, normalement, il est censé récupérer derrière sa garde. Donc, vous avez bien une rémunération et une récupération de senior et récupération comme un interne. Alors, concernant les remplacements, donc ça, c'est un sujet qui pique un petit peu pour les internes. Donc, là, actuellement, en fait, il y a une prolongation de la législation en vigueur, donc pour la, je crois, troisième fois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, prolongation de 6 mois jusqu'à avril 2021, c'est-à-dire que les critères actuels pour avoir accès à une licence de remplacement qui est donc fonction de votre diplôme d'études spécialisées, c'est des critères qui sont selon les DES, sont toujours maintenus actuellement. Après avril 2021, bah, ça va être la même question que après novembre 2021 et après mars, après novembre 2020, pardon, et après mars 2020, qu'est-ce qui va se passer? Le projet du Conseil national de l'Ordre des médecins, c'est en fait de permettre l'accès à cette licence de remplacement qu'à l'issue de la validation de la phase d'approfondissement et donc avoir en fait effectué sa thèse d'exercice en médecine, donc en fait remplacer qu'à partir de la phase de consolidation concrètement. Donc comme vous le savez, l'intersyndicale nationale des internes défend un maintien des critères actuels et donc une possibilité d'évaluation des compétences. Une question qui revient très très souvent, c'est pour les nouveaux DES. Donc il y a 6 nouveaux DES. Donc là, ils sont malheureusement, excusez-moi, hein, pas répertoriés par ordre alphabétique. Il n'y a pas d'ordre particulier hein, d'énumération sur la diapositive. Mais globalement, donc ces 6 DES, donc maladies infectieuses et tropicales, gériatrie, urgence allergologie, médecine vasculaire et médecine légale, il n'y a pas en fait de critères qui ont été écrits lors de l'écriture des maquettes. Donc, vu qu'il n'y a pas de critères de remplacement sur ces DES-là, en théorie, il n'y a pas de remplacement pour le moment qui sont autorisés lors de l'internat, donc que ce soit phase d'approfondissement ou phase de consolidation. Donc ça, je pense qu'il y a des travaux qui sont en train d'être menés là-dessus, enfin, j'espère. Sébastien pourra peut-être nous en dire un petit peu plus. Et donc, peut-être que cette solution sera résolue. Mais pour le moment, à l'heure actuelle où on vous parle, on ne sait pas ce qu'il adviendra des remplacements dans la phase d'approfondissement avec bah, voilà, l'accès à tel semestre ou à tel semestre selon ce qui est écrit normalement dans les critères actuels, selon votre DES. On espère qu'on aura très rapidement une réponse. Mais quoi qu'il en soit, donc, Alice-Mie, la position défendue est claire et nette. Voilà. Je ne sais pas si Sébastien, tu veux dire un petit truc là-dessus, si tu as des informations en plus. Ouais, si tu veux que je réagisse maintenant sur ce sujet-là, juste vous dire que à date, les derniers arbitrages ne sont pas pris, mais le décret en vigueur, comme tout décret est toujours en vigueur, donc il y a eu un échange avec le CNOM pour normalement avoir une instruction à tous les conseils départementaux de l'ordre pour ceux qui se sont vus opposer une non-délivrance sous prétexte qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner dans un mois. Donc normalement, ceux qui font la demande actuellement pour les DES qui ne sont pas dans les 6 DES que tu viens de citer, normalement, il n'y a pas de sujet. Et si vous avez encore des blocages de différents CEDOM, ça, n'hésitez pas à faire remonter via l'ISNI qu'on intervienne. Et ensuite, le groupe de travail est en cours. Et l'ISNI a une position assez claire, vous pourrez la détailler bien mieux que moi, mais sur le maintien des règles actuelles et un scénario d'évaluation des compétences individuelles sur lequel
on commence à travailler, à regarder comment c'est possible d'ouvrir ce chantier. Et la question qui est devant nous, c'est quelle solution intermédiaire on trouve entre cette cible-là qui paraît intéressante, mais qui nécessite un petit peu de travail et qui ne sera pas possible avant 12 à 18 mois, et d'ouvrir le remplacement au nouveau DES dans les plus brefs délais, et donc de trouver la voie de passage. Donc il y a un échange avec les CNP de ces différentes disciplines pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur des critères plus cohérents, je dirais, que de dire c'est docteur junior pour tout le monde et il n'y a pas de débat. Et donc on espère atterrir dans les prochains jours pour que le décret complémentaire puisse être publié sur les disciplines transitoires pour avoir une option d'attente, je dirais, vers une évolution plus globale du système et plus consensuelle. Donc voilà un peu où on en est sur ce sujet-là à la date d'aujourd'hui. Du coup, je me permets juste de rebondir, Sébastien, vu qu'il y a une remarque de Soumia donc, qui nous dit qu'il y a une erreur dans notre diapo concernant le remplacement des DES créés en 2017. Pour moi, c'est quelque chose qui est possible à la discrétion des CEDOM, mais donc j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, alors là-dessus, désolé, parce que CF l'échange d'avant, juridiquement, c'est vraiment pas possible, et donc vous n'avez aucune couverture assurantielle si un docteur junior d'un nouveau DES remplace, puisque dans le code de la santé publique, ce n'est pas possible. Attention aussi au risque que vous prenez individuellement, parce que là, s'il se passe quoi que ce soit, personne vous couvrira derrière, ce n'est pas légal, quoi. Je porte pas de position sur c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais avec un regard très juridique sur la question, c'est pas légal. Okay, ouais. Parce qu'après, on le sait qu'individuellement, il y a des internes. Moi, par exemple, je connais une interne d'allergologie qui fait des remplacements. C'est les six spécialités où il n'y a pas de critères de remplat. Et ça paraît logique que s'il n'y a pas de critères, normalement, c'est pas autorisé. Après, nous, c'est vrai qu'on avait compris que c'était que les GDOM pouvaient prendre des décisions. Mais bon, c'est bien que tu rappelles ça. Et on espère qu'en tout cas, les textes vont être rapidement faits parce que c'est pas correct, je dirais presque. C'est pas logique que des internes qui choisissent une nouvelle spécialité, c'est un défect en quelque sorte. Donc, on espère que ce sera rapidement fait, quoi. Merci en tout cas pour ta précision, c'est important. Je vous propose de continuer et puis après on reprendra toutes les questions parce que là on en a pas mal sur pas mal de sujets. Ouais. De toute façon, il ne reste plus grand chose en termes de diapo normalement. Je veux bien que tu le remettes du coup. Ah oui, pardon. Je change. Je vois pas le diapo. Après, je peux faire sans filet, hein, mais bon. Alors, un autre domaine, du coup, qui m'interpelle un petit peu plus, parce que comme vous l'avez expliqué, bon, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis chef de clinique. Donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu une notion du docteur junior qu'on a un petit peu du mal à percevoir, parce que beaucoup ont cru que le docteur junior, c'est un statut qui n'était plus du tout dans le cadre de l'internat et que c'était limite de l'assistanat. Ce qui est hyper important de savoir, c'est que docteur junior, c'est dans le troisième cycle, donc c'est dans l'internat. Certes, un docteur junior n'est pas un interne, mais ça reste un praticien en formation, un étudiant de troisième cycle, même si nous, on reste très, très attaché plutôt à la notion de praticien en formation, mais c'est dans le cadre du troisième cycle des études médicales, donc ce n'est pas de l'assistanat, le docteur junior. Ça, c'est hyper important. Dans tous les cas, donc il y a un décret qui a été publié en 2018, donc le décret en fait qui explique ce qu'est le statut tout simplement du docteur junior. Et à l'intérieur, si vous creusez un petit peu, il y a une ligne qui explique qu'en fait la phase de consolidation valide une année pour l'obtention du titre des assistants des hôpitaux. Et pour avoir accès en fait au secteur 2, il faut avoir effectué deux années d'assistanat, donc soit deux années de clinica, deux années d'assistanat spécialiste, ça peut être des choses aussi mixées. Vous avez toute l'évolution qui est possible sur le site du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui est très très simple, on vous mettra le lien tout à l'heure. En tous les cas, ce qu'il faut bien que vous enregistriez, c'est que la phase de consolidation en entier, ça valide un an pour l'obtention du titre des assistants des hôpitaux. C'est quand même pas tout à fait synonyme de un an de secteur 2, c'est un peu différent. On ne sait pas comment ça va évoluer tout ça, quelles seront les possibilités de postes internat en fait, qu'est-ce qui viendra par exemple des postes d'assistants partagés, enfin il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, donc c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent dans la lecture.
Actuellement, quand vous faites, je pense, une année de docteur junior et que vous rajoutez une année d'assistant spécialiste, normalement, ça doit vous offrir la possibilité d'accéder au secteur 2. En tous les cas, actuellement, c'est encore possible. Dans quelques années, on verra ce que ça deviendra. Voilà. Que vous sachiez aussi par rapport, il y a une question qui revenait beaucoup, c'était, alors pas forcément dans le questionnaire, mais qu'on a reçu beaucoup dans les mails de l'ISNI, à partir de quand est-ce qu'on peut par exemple accéder, jusqu'à quand pardon, on peut accéder à un poste d'assistant spécialiste et notamment chef de clinique. Vous pouvez accéder à ce type de poste normalement jusqu'à 4 ans après la fin de votre diplôme d'études spécialisées. Et un clinica, ça peut durer, normalement, c'est des contrats qu'on fait pour une durée de 2 ans. Vous avez le droit de renouveler 2 fois sur une durée d'un an et vous avez le droit encore de refaire un autre clinica. Donc, en tout, le clinica, il peut durer jusqu'à 8 ans. Je parle de ça, même si ce n'est pas tout à fait dans la thématique des docteurs juniors, mais ça rentre dans le cadre du post-internat. Et je préférais vous le préciser parce que c'est des questions, en fait, on ne sait pas trop et c'est important de le savoir parce que c'est des choses qui reviennent très, très souvent. Donc voilà, sur Docteur Junior Secteur 2 et quelques petites pistes de post-internat, en tout cas sur le côté hospitalier. Juste, Manuel, si tu... Ouais, j'allais dire juste, si tu permets, je me permets d'enfoncer le clou sur le secteur 2. C'est bien une année de DJ qui compte dans le secteur 2, quelle que soit la durée de la phase 3. Hein. Je veux dire, pour les DES en 4 ans qui n'ont qu'une année de Docteur Junior, c'est une année par définition. Mais pour les DES qui seront... En 5 ou 6 ans, et pour les 6 ans, c'est la phase plus, de conso, ouais. Plus d'années, c'est bien qu'une année qui comptera quand même pour cet accès-là. Et à ce stade, pas d'évolution, donc c'est bien ce qu'a dit Nawel. Après, ça s'intègre dans le paysage global d'évolution du statut de PH. Avec, on s'éloigne du sujet, donc je ne rentre pas dans le détail, mais il était prévu dans la stratégie Ma Santé 2022 un unique statut de PH, donc qui va sortir à l'été avec une réforme du statut notamment des contractuels, et donc on aura un petit sujet quand même d'articulation des contrats, parce que étant donné que la ligne est d'avoir un unique statut de PH, il faudra aussi un petit peu clarifier tout ce spectre et cette sphère où les statuts se multiplient. Bah merci pour la précision. Donc, en gros, vous retenez la phase de consolidation, elle valide 1 an d'accès au titre d'assistant ou des hôpitaux. Donc, juste une année sur les deux pour le secteur 2. Tu peux passer à la diapo suivante. Il y a quand même un truc à garder à l'esprit. Pour les postes d'assistant, on oublie souvent que les postes type HU, c'est-à-dire CCUAH et AHU, sont des postes de base de 2 ans, la très grande majorité des cas. Renouvelable ensuite, et les postes non HU, c'est-à-dire assistant spécialiste et assistant spécialiste de temps partagé, sont des contrats de 1 an renouvelables. Enfin, moi, en tout cas, l'avis et l'impression que j'ai, c'est que finalement, ça va stimuler les personnes qui ne souhaitent pas faire de carrière universitaire, qui ne souhaitent pas faire d'enseignement pendant leur assistanat, de faire le docteur junior et ensuite un poste d'assistant, et ensuite d'aller faire ce qu'ils souhaitent faire, voilà, que ce soit continuer au CHU, aller en CH, enfin faire ce qu'ils souhaitent. Et donc, ça va peut-être aiguiller un peu mieux ces postes d'assistant. Et du coup, dernière diapo. La dernière diapo, donc là, c'est la petite touch recherche, on va dire ça comme ça. Là, on est en train de construire un questionnaire pour tenter de faire un état des lieux, en fait, sur la première session que certains d'entre vous connaissent, donc du docteur junior, pour tenter un petit peu de dessiner les différents constats, les impressions que vous avez pu avoir. Donc voilà, là, on est en train de concevoir l'enquête. Juin, normalement, elle devrait sortir. Donc, tous les docteurs juniors là, qui sont sur des DES de 4 ans, surtout quand elle sortira, faites-la, c'est hyper important. Ça permettra de comprendre un petit peu comment vous avez vécu les choses et ça pourra aussi... permettre d'aiguiller peut-être d'autres pistes pour vos successeurs et les générations futures. Donc, c'est hyper important que vous sachiez qu'il y a ce type de travaux actuellement qui sont en cours. Voilà. Ouais, et puis, effectivement, enfin, en général, que ce soit pour cette enquête, auprès de votre syndicat d'interne, n'hésitez pas à faire remonter les différents soucis que vous avez. Encore une fois, il faut anticiper au maximum
On sait que ces nouvelles phases de Docteur Junior, c'est encore du crash test dans pas mal de situations. Donc, il faut faire remonter un maximum de choses pour qu'on prenne en compte, enfin, que l'ISNI prenne en compte ces choses-là, et même que vos facultés, vos CHU prennent en compte ce genre de choses. Voilà. Alors, du coup, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire en fonction des questions qui sont le plus revenues. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions directement en ligne. Déjà, je vous remercie. Vous êtes toujours, vous avez diminué un petit peu, vous êtes 270 encore là. Mais je vous propose de revenir un petit peu sur les questions que vous avez posées un peu dans le chat auxquelles on n'a pas encore répondu. Alors, je remonte. Donc, et effectivement, je répète simplement que le live sera bien disponible en replay à la fois sur Facebook et YouTube à partir de la fin même du webinaire. La communication qui a été faite par la médicale était du coup dans le cadre du partenariat avec l'ISNI. Voilà, c'est quelque chose qu'on souhaitait faire simplement pour aussi continuer les liens entre les structures, mais je comprends que parfois ça peut être un peu long ce genre de présentation, mais c'est quand même des sujets très importants. Ensuite, il y avait la question sur laquelle je vais passer rapidement sur le probable report de semestre. Pour l'instant, on n'a pas d'informations supplémentaires, en fait. C'est des choses qui sont en cours de discussion, donc on espère avoir des réponses rapidement. Mais malheureusement, on ne peut pas vous donner de réponse franche, on ne sait pas exactement, et puis on ne va pas s'amuser à demander à Sébastien de se mouiller là-dessus. Ouais, j'allais dire, désolé, je n'aurais pas une réponse beaucoup plus concrète qu'Evan, qu'à dire que le sujet n'est toujours pas arbitré, avec de nombreuses itérations avec le ministre, les acteurs de terrain, et on espère pour la fin de semaine pouvoir transmettre une position qui sera celle du gouvernement sur ce sujet. Voilà, c'est déjà plus précis. Je vous ai pas dit à la fin de semaine, donc ça m'arrange. C'est un peu la cible, quoi, de se dire que fin de semaine, durant le week-end, d'atterrir sur le sujet, puisqu'on sera à 3 semaines du changement de semestre. Ouais, il faut essayer de se mettre à la place des internes, ceux qui déménagent, etc. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Ok. Du coup, simplement, alors j'ai passé à les questions auxquelles j'avais déjà répondu. La question d'Anaïs, alors peut-être qu'on a déjà répondu d'une certaine manière, mais Nawel et Sébastien, vous aurez une réponse probablement plus précise que la mienne. Cette question-là, est-ce que finalement ça remplace des postes? Et pour faire le lien avec des questions supplémentaires, est-ce que ça remplace des postes d'assistants finalement aussi? D'assistant, non, en tout cas, parce que pour cette composante-là que je connais très bien, le nombre de postes, normalement, de tout ce qui est chef de clinique, assistant spécialiste, etc., n'a pas bougé et normalement, on n'est pas censé bouger pendant plusieurs années. Je pense, Sébastien, tu pourras confirmer ça. Et ensuite, pour les postes d'interne, est-ce que ça supprime? Normalement, c'est des listes qui sont à part. Donc après, peut-être que certains chefs de service vont dire, bah voilà, moi j'ai en fait, ils réfléchissent en termes de capacité de formation. Peut-être que il y aura moins de dotation d'interne, on va dire, phase d'approfondissement, et qu'il y aura normalement un ou deux postes, parce que normalement c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne, par unité, en tout cas où il y a les agréments. Mais après, de là à dire que ça remplace, enfin, ou que ça supprime, c'est des fonctions et des responsabilités normalement différentes. Un docteur junior n'est pas censé faire la même chose qu'un interne. Il y a quand même une évolution. Donc, après, je ne sais pas si tu as d'autres informations plus poussées. Mais... Non, enfin, tout à fait d'accord avec toi, Nawel. Après, ce que je voulais redire, c'est que c'est un sujet très local dans le cadre des commissions d'évaluation des besoins de formation et des commissions d'adéquation, donc qui sont deux types de commissions qu'il y a au niveau de l'Agence régionale de santé pour préparer les postes qui sont au choix lors du semestre qui suit. Et les postes sont ouverts par phase de formation, donc ce n'est pas des postes à la place d'eux. Après, c'est ce que Nawel disait, il y a la capacité d'encadrement et d'accueil dans le service qui intervient. Et donc, je dirais qu'il y a le nombre de postes par phase de formation. Et après, il y a le regard global sur combien le service peut accueillir toute phase confondue, que ce soit la phase socle d'approfondissement ou de consolidation qui intervient quand même. Mais là-dessus, si vous essayez de préparer au maximum avec vos représentants locaux le sujet pour que vos positions soient portées en commission, normalement, ça se passe au mieux. Ok, juste simplement pour ajouter deux éléments là-dessus, comme disait Nawel, il y a une petite différence par rapport aux anciens postes finalement de fin d'internat, où il y a une limite en théorie entre 1 à 2 postes de docteur junior par service.
voire plus de façon très exceptionnelle. Et c'est là où vous devez avoir une interaction importante avec vos internes référents de DES, vos associations et syndicats locaux, pour s'assurer qu'en fait les postes soient ouverts. En particulier quand vous avez deux internes, enfin deux futurs docteurs juniors qui veulent un poste similaire, il faut s'assurer que le poste, enfin que le service soit capable d'accueillir deux docteurs juniors. Et l'autre élément, c'est qu'évidemment, l'ajout d'années à certains DES, encore une fois, la pédiatrie, les DES de chirurgie, a forcément impacté, d'une certaine manière, la démographie des internes. Donc, je sais, par exemple, que ça a été une grande question en pédiatrie, par exemple, sur le CHU de Lyon, sur la subdivision de Lyon. Et c'est des questions qui, forcément, se discutent localement pour arriver à ventiler les internes de la meilleure façon. Du coup, je vais passer rapidement sur cette question-là, parce que j'y ai déjà répondu. Oui, c'est possible de changer de région en phase de consolidation, mais c'est encore une fois assez localement dépendant, et c'est des choses qui sont on va dire en discussion assez régulièrement entre les lignes et les structures. Je ne sais pas si Sébastien tu peux rajouter. J'ai juste un mot si tu permets, et ça répond à d'autres questions que j'avais vues au fil de la présentation. À date, les stages interchu, mais je vais dire hors région pour être très clair, hors région administrative hein, du terme, sont toujours possibles. À date, ils se font hors CIMOP appareillement. Ça sera encore le cas pour le prochain semestre. Donc, vous faites la demande comme c'était le cas usuellement, si je puis le dire, pour une demande d'interchu. À partir du moment où vous avez l'accord et de chez vous pour partir et de où vous allez, on est hors procédure d'appareillement que Evan a détaillé et bien expliqué au début là sur CIMOP appareillement et les différents tours. Et donc, ce n'est pas compris dans les postes qui sont ouverts en commission d'évaluation de besoins de formation. C'est bien des postes en plus que ceux qui sont affichés aux internes de la subdivision concernée. OK, merci. Effectivement, vous voyez, cette question de choix sur CIMOP et choix hors CIMOP, il est possible que dans le développement de CIMOP dans les années futures, mais on est à long terme, il y a plus de choses qui se passent directement sur la plateforme. On n'en est pas là et pour l'instant, on ne préfère pas vous utiliser des choses inutilement. Et il y avait une question rémunération, il m'avait semblé voir, lorsque vous êtes en stage hors subdivision et hors région, hein, dans les deux cas, c'est votre CHU de rattachement qui assure votre salaire. Donc, c'est maintenu par votre CHU d'origine. Je crois qu'il y a juste une des indemnités qui est peut-être celle de l'indemnité nourriture qui est payée par le... Oui, tout à fait, et la permanence des soins, okay, qui est pris en charge par l'établissement là d'accueil. Donc, sous-entendu, ça peut paraître bête, hein, mais vous allez recevoir deux fiches de paye. Alors, me concernant, comme je vous disais, je suis docteur junior de Reims, mais affecté actuellement au CHU de Lyon. Je reçois une fiche de paye d'à peu près 60 euros de la part du CHU de Lyon pour mon indemnité nourriture. Je ne fais pas de garde et j'ai mon salaire de base, en fait, par les CHU de Reims. Alexandra, alors ça va être difficile de te répondre directement. Je pense que le plus simple pour ta question sur l'organisation de ton cursus, c'est que tu adresses un mail à l'IFNI et tu contactes aussi le SIHP, si tu es bien en Ile-de-France, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'effectivement, c'est un sujet en plus auquel je tiens beaucoup parce que ça fait partie aussi de mes axes de formation pour la suite. Donc, je te recommande fortement d'envoyer un message à contact@isni.fr pour qu'on voit comment t'aider au mieux. Parce qu'effectivement, le contrat de formation est censé t'aiguiller de cette manière-là. Et donc, il faut s'assurer que les choses soient bien faites et qu'on anticipe au mieux. Pas de garantir d'avoir tout ce que tu veux, mais le mieux, c'est de pouvoir en discuter, d'avoir un maximum d'éléments. Et je préfère pas te dire de bêtises ce soir. La question des certificats en psychiatrie, je pense que ça a été déjà répondu dans le chat, mais autant que je sache, les docteurs juniors, que ce soit en tant que, enfin, en garde senior ou en garde classique, ils ne peuvent pas signer de certificat. C'est la grande question existentielle qui dure depuis pas mal d'années. Et je suis bien passé pour le penser parce que j'étais interne de psy avant et déjà on en discutait en 2016. Mais de mémoire, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est vrai que c'est un point de blocage. C'est les certificats d'essai, en fait, qu'ils peuvent faire. Et normalement, ça a été, ça, si je ne dis pas de bêtises, légiféré sur un décret de mars 2020. C'est ça. Les internes peuvent maintenant faire ça, et les docteurs juniors aussi. Mais après, il y a pas mal d'autres certificats. J'avais eu le cas, moi, d'une collègue à qui on avait demandé de faire une réquisition. Vous savez, quand on est réquisitionné pour faire des examens médicaux. Et ça, normalement, elle ne peut pas en tant que docteur junior. Elle a dû remonter jusque... au conseil de l'ordre, en fait, pour le savoir. Et en fait, c'est quand même hyper important, dès qu'il y a des situations comme ça, de bien les faire remonter à vos syndicats locaux. Faites-les-nous les remonter aussi, parce que visiblement, les responsables de terrain de stage ne sont pas forcément toujours au courant et ça peut vous mettre dans des situations hyper délicates.
avec la loi. Et du coup, pour les certificats de psychiatrie, à part si Sébastien veut rajouter quelque chose et pour clore la discussion, rapprochez-vous bien de l'AFEP, donc l'Association nationale des internes de psychiatrie, pour ce type d'informations-là, parce que pour le coup, ils sont calés sur le sujet, vu que c'est leur domaine principal de compétence. Donc ça, on y a répondu. Est-ce qu'on touche encore le CESP en doctorat junior? Alors j'avoue que je ne sais pas du tout directement. Il y a pas tout à fait. Par contre, il y a eu un nouveau texte aussi, pareil, il y a eu plein de nouveaux textes en 2020. Et je ne sais pas s'il y a eu des modifications sur... parce que normalement, il faut en quelque sorte faire au moins 2 ans dans une zone sous-dotée après avoir eu sa rémunération de CESP. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a eu... ça, je ne sais pas, peut-être que Sébastien pourra nous dire, un impact du nouveau décret là, du CESP 2020 par rapport à la réforme du troisième cycle, et qu'est-ce que ça impacte en fait ? Non, alors aucun. Les nouveaux textes sur le CESP ont surtout été l'ouverture à d'autres formations que médecine et chirurgie dentaire qui avaient accès jusqu'à présent. Et ça a eu des impacts sur les premières années, puisque ce n'est plus ouvert aux étudiants de premier cycle médecine, partant du constat que c'était difficile d'avoir un projet mûr et du coup un choix éclairé sur l'aspect ECN et que ça pouvait fermer beaucoup de portes pour la suite à des étudiants. Donc l'évolution n'impacte pas la fin du cursus, mais le début. Ok. Il y a pas mal de questions sur les interchus de 6 mois ou de 1 an, donc j'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est vraiment cette question d'arbitrage en cours, de savoir si les stages se font sur 6 mois ou sur 1 an. Et je doute qu'il y ait des différences entre si vous êtes en hors-région ou en intra-région. Ça m'étonnerait qu'il y ait des répartitions différentes. Et donc voilà, il va falloir organiser ça, encore une fois, de façon très, très anticipée pour que ça se passe au mieux. Donc même en DES de chirurgie, ce sera normalement... Enfin, si par exemple les DES de chirurgie passent en stage d'un an, votre interchu, votre stage hors région durera 1 an et pas 6 mois. Il y avait la question des surnombres. Alors ça, c'est tout l'enjeu finalement des choix en 6 mois ou 1 an. Il y a toujours ces surnombres possibles, mais encore une fois, il faut que ce soit cadré au mieux et il ne faut pas se le cacher, ce sera toujours plus compliqué, par exemple, des surnombres dans une situation de grossesse, pour les DES de chirurgie, par exemple, qui risquent de rester en choix en poste d'un an. Et ça, c'est difficile en fait, de vous répondre de façon plus précise. C'est difficile de savoir comment ça va être géré. Normalement, de toute façon, Sébastien, tu me corrigeras si j'ai une bêtise, mais par sécurité, il y aura toujours un appariement possible tous les 6 mois pour ceux qui sont décalés, mais vous imaginez bien, c'est toujours un problème entre guillemets démographique, c'est-à-dire que s'il y a déjà des internes dans les services, il y aura des surnombres possibles, mais ça devrait être organisé très en amont. Non, c'est bien ça, j'allais juste dire là-dessus, l'ISNI en premier lieu et normalement tous les syndicats par discipline ont été consultés par les deux responsables de la mission R3C sur les évolutions de maquettes avec 2 niveaux. Les évolutions de maquettes souhaitées par les internes d'une part, les responsables de formation d'autre part, je dirais sur l'intégralité de la maquette, sur les 3 phases avec maintenant quelques années de recul et de se dire qu'il y a peut-être quelques choix qu'on peut réinterroger. Et le sujet, qu'est-ce qu'on fait de la phase 3 sur le 2 fois 6 mois ou 1 an, l'idée est de communiquer dans le mois qui arrive, et les textes sortiront d'ici l'été sur la phase 3 avec une option différenciée qui se distingue, je fais caricatural, mais spécialité médicale, chirurgicale, ce ne sera pas si simple que ça, il y aura 2-3 spécialités qui sortiront de ma ligne de démarcation, mais c'est un petit peu ce qui se dessine. Et donc, on aura toujours 2 procédures d'appariement avec, à la différence de cette année, tout le monde ne serait plus concerné, mais ça permettrait, entre guillemets, de rattraper, désolé du mot qui n'est pas forcément le bon, mais en tout cas, de rattraper toutes les situations individuelles de décalage pour X raisons sur un semestre retardé pour plein de raisons. Super. Merci Sébastien. Rapidement, du coup, pour la question d'Estelle, est-ce que c'est possible de faire un stage de docteur junior d'une autre spécialité que notre DES? Donc pour ça, il faut que tu te regardes ta maquette de DES dans laquelle l'organisation des stages
En fonction des agréments est très précisément détaillé. Par exemple, il y a des spécialités pour lesquelles c'est possible, en fait, on peut être dans une spécialité légèrement différente, mais qu'il faut que ce soit un prévu à l'avance, et souvent, c'est des stages couplés, c'est-à-dire que c'est un stage à la fois dans la spécialité et un stage dans une spécialité très proche. Typiquement, ça va être de la neurologie pure, et puis un service de EEG ou de la MPR et un service de EEG, ou des choses comme ça, EMG plutôt, pour le MPR, mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Autant que je sache, alors à part si vous me corrigez, hein, si je bêtise. Donc, le stage à l'étranger, c'est bon. Ça, la question épineuse des FST. En gros. La FST, normalement, c'est en phase d'approfondissement. Donc, c'est juste les options déjà. Voilà, du coup, il y a cette question. Pour les FST, c'est toujours dans la phase d'approfondissement. À l'heure actuelle, on ne peut pas couper le docteur junior, enfin les phases de docteur junior en faisant des FST au milieu. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, dans le cadre des options, effectivement, si vous n'avez pas les services disponibles dans votre subdivision pour faire vos options, il y a une facilitation, entre guillemets, pour aller faire des stages en dehors de votre subdivision. Mais encore une fois, c'est des choses qui s'anticipent, qui se cadrent. Il y a peu de chances que ce soit refusé hors situation, on va dire, délirante. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut vraiment prévoir très proprement à l'avance, encore une fois, avec vos internes référents, par exemple. Et normalement, il y a les postes de mobilité. Donc ça, Sébastien, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on se posait pas mal la question. Autant il y a des décrets qui sortent sur le nombre, en fait, de postes d'options, de FST, etc. On sait que, par exemple, enfin, moi, je t'explique, hein, je suis de spécialité de médecine psychique et de réadaptation. Par exemple, on a 4 FST. On va dire qu'ils sont très sanctuarisés dans la médecine physique et de réadaptation. Une où il y a un peu plus de tension que les autres, c'est la médecine du sport. Donc, on sait par exemple que dans une subdivision, il y aura tel nombre de postes ouverts, sachant qu'en général, on a les chiffres pour la région, on a telle subdivision, et ça nous donne les chiffres pour la région. Et il y a aussi des postes, des fois, qui sont ouverts pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais ça n'a pas vraiment le nom de poste de mobilité. Et c'est vrai qu'on nous a beaucoup, beaucoup vendu cette notion de mobilité, justement, notamment pour les options et les FST. Comment est-ce que les internes peuvent y accéder, si tu peux un petit peu expliquer, et est-ce que les internes peuvent avoir un accès, justement, à ces nombres de postes ouverts? Ouais, tout à fait. Enfin, je précise et j'insiste sur un point, Devan, et je réponds à ton point. Les options FST sont bien dans le cadre de la phase d'approfondissement, et donc anticiper au maximum les demandes, parce que j'ai en tête un docteur junior de Reims cette semaine qui a fait la demande pour arrêter son année de phase 3 et prendre un poste en option FST. Ça, c'est pas réglementairement possible, et donc anticiper bien pour le demander au bon moment, si je puis dire comme ça. La seule option que vous avez pour quelqu'un qui ne l'aurait pas fait en phase 2, c'est de finir votre internat, et il sera demain possible, mais c'est demain dans un avenir proche puisque c'est novembre, possible d'accéder à un deuxième DES et à une option FST tardive, si je puis le dire comme ça, et donc un complément de formation pour quelqu'un qui ne l'aurait pas fait en phase initiale. Mais c'est pas si simple que pour quelqu'un qui était en plein milieu de son interne, ou du coup, de son internat, pardon, et où du coup, il n'y avait pas de sujet de rémunération, de est-ce qu'il exerce en ville, à l'hôpital, etc. Donc, c'est pas mort, c'est rattrapable, mais si vous pouvez l'anticiper au mieux et le faire au bon moment, c'est quand même l'idéal. Et sur ton point, Nawel, de option FST, pour les hors subdivisions, hors région et les mobilités. Alors, c'est très lié du coup à ce que j'ai dit avant, parce que l'arrêté qu'on connaissait jusqu'à présent qui ouvrait les postes va énormément évoluer dans sa présentation, puisque vous allez avoir une colonne des options FST ouvertes pour les internes, une colonne d'options FST ouvertes pour les médecins diplômés qui voudraient le faire en formation tardive, si je puis le dire comme ça. Et du coup, c'est en débat actuellement de laisser ou pas une colonne dédiée à de la mobilité. Et la deuxième, alors soit, en fait, pour expliquer très clairement, soit on fait le choix de dire dans les grosses subdivisions et ceux qu'on des disciplines qu'on ne trouve pas ailleurs, je pense à l'Île-de-France pour plein de raisons, mais ce n'est pas la seule subdivision, mais qu'aurait une certaine typologie de terrain de stage qu'il n'y aura qu'ici, et sur certaines options FST, du coup, sera accessible qu'en Île-de-France ou que dans deux, trois grosses subdivision,
le choix est soit on affecte un pool subdivision, un pool hors subdivision, soit on fait d'office un gros pool et tout se met dedans. C'est un des débats qu'on a actuellement parce que le débat est de se dire que comment on gère à partir du moment où on a différencié en deux pools les postes qui ne seraient pas pris dans l'un et dans l'autre pour pas qu'ils soient perdus et donc de le transvaser de l'autre côté. Donc le choix n'est pas fait, mais il est bien identifié qu'on a ce sujet à traiter. Merci à toi. Très bien. Alors, il y a pas mal de questions auxquelles on a déjà répondu. Après, ça bascule un peu plus sur les remplacements. Ça, c'est la question. Est-ce qu'il y aura un seigneur d'astreinte quand les docteurs juniors seront en garde de seniors? Enfin, Nawel y a répondu tout à l'heure. Non, après, il y a pas mal d'établissements. Enfin, quand je dis non, c'est non d'un point de vue réglementaire. Après, il y a pas mal d'établissements, et je pense notamment à la PHP qui a... cette procédure d'appel de dernier recours, si je puis dire comme ça. Après, sur le centre hospitalier où vous êtes, il y a forcément un autre médecin senior de garde sur une autre discipline. Donc, normalement, alors même si vous allez me dire il n'est pas à côté de vous, il n'est pas, par exemple, au bloc face à vous de l'autre côté du malade, on a forcément un filet de sécurité sur l'établissement qui est mobilisable au cas où. OK. Ensuite, il y a la question du remplacement. Comment ça se passe si les docteurs juniors qui veulent remplacer notamment donc, les six réanimations et médecine d'urgence, par exemple en privé, sans forcément de senior pour superviser? Alors pour moi, c'est toujours remplacement égal, pas spécialement de senior. Mais... Bah, les DSMU, médecine d'urgence, normalement, c'est, c'est une nouvelle spécialité. Après, à l'Estrea, il y a des critères de remplacement. Je ne sais pas si Sébastien, tu vas en dire plus. J'allais répondre ça, dire que la question elle a deux aspects, quoi, parce qu'aujourd'hui, le DESMU ne peut pas accéder au remplacement. L'interne en anesthésie réa peut, avec les critères définis, dans un établissement privé. Et on a le gros sujet où l'ISNI est associé, mais une ordonnance de la loi Organisation et transformation du système de santé a été publiée il y a 3 semaines maintenant, ouvrant la possibilité du remplacement dans les établissements publics de santé. Et donc là, les travaux vont s'ouvrir dans les toutes prochaines semaines pour qu'à l'automne, on ait un dispositif opérationnel, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, réglementairement, même si vous allez me dire que dans les faits, ça arrive parfois, mais en tout cas, réglementairement, vous ne pouvez remplacer que dans un établissement privé. Ou dans une structure libérale, mais en tout cas pas dans un établissement public de santé. Et donc, on a ce sujet devant nous, là, pour tous les DES, hein, anciens, nouveaux, qui sera une nouvelle possibilité offerte aux internes. OK. Ensuite, la question, je pense que c'est toujours la même chose. Hein, c'est les arrêtés ou les décrets, je m'y perds à force, qui sont décalés à chaque fois. Ouais, enfin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le décret sur le remplacement, comme tout décret, il est toujours en vigueur jusqu'à temps qu'il n'y a pas un nouveau décret qui vient l'abroger. Hein. Donc là, le décret court et on a réinsisté auprès du CNOM pour que le message soit passé à tous les conseils départementaux que faute de consensus à date et de position du coup du ministère, le décret s'applique et donc l'ensemble des DES hors les nouveaux ont accès selon les critères définis. Très bien. Et ensuite, la question, est-ce que la licence de remplacement, on peut la demander dès maintenant, ou du fait des changements de critères potentiels, ça va sauter? Ben, je pense que c'est un peu la même réponse. Hein, donc, ouais, l'application, on peut le demander. J'allais dire, il y a deux aspects dans cette question. Il y a les internes qui sont dans des nouveaux DES. Là, vous ne pouvez pas faire de demande puisqu'il n'y a pas de critères. Et donc, les CEDOM vont vous répondre je suis en incapacité d'instruire votre demande. Je n'ai pas de critères à y opposer. Les internes qui sont dans les DES définis de manière éligible, j'ai envie de dire, demandez-la, il n'y a pas de souci. Et ceux qui ne sont pas encore en nombre de semestres validés, vous allez avoir la même réponse, que vous ne remplissez pas les critères de formation pour y accéder. Moi, j'ai juste une petite question, peut-être que tu sauras. C'est une question qu'on nous a souvent demandée et j'avoue que vu qu'il n'y a pas de choses vraiment très, très légalement écrites, c'est un peu compliqué. Un interne, par exemple, qui remplit actuellement les anciens critères. Demande sa licence de remplacement. Imaginons que, et j'espère qu'on n'ira pas vers ça, au final, par exemple, avril 2021, c'est plus possible d'avoir une licence de remplacement selon les anciens critères. Donc, un interne aura eu pendant 6 mois, normalement, c'est des demandes annuelles, il aura eu sa licence de remplacement.
au moment où il a envie de la renouveler, il n'est plus dans les critères actuels. Est-ce qu'il pourra quand même toujours remplacer, sachant qu'il a remplacé pendant un an, ou est-ce qu'il devra se fier aux nouveaux critères si, par exemple, ce sont ces nouveaux critères-là qui passent ? Là-dessus, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. À partir du moment où, si décret avec gros changements, je mets encore pas mal de guillemets à cette hypothèse, mais si décret avec des gros changements est publié, il a bien évidemment, je l'avais vu dans les questions, donc j'en profite, il n'a pas d'effet rétroactif comme tout texte qui sort. Par contre, il s'applique le lendemain de sa publication. Et donc, l'interne qui a sa licence de remplacement, elle est valable jusqu'à la fin de sa validité de la licence, et quand il fera la demande de renouvellement, c'est les nouveaux critères qui s'appliquent pour l'appréciation de la demande. Ouais, on est d'accord que c'est quand même un peu... c'est perturbant quoi, pour les internes. C'est vrai que j'espère pour eux que ce sera pas ça qui passera, mais c'est quand même... Ouais, j'entends. Après, je sais que dans les options qu'on a examinées, à part peut-être un ou deux DES, mais je ne les citerai plus pour pas dire de grosses conneries, dans la vraie vie, je suis d'accord avec toi sur le signal, mais dans la vraie vie, ça concernerait très peu de personnes, puisque du coup, l'année entre la demande, même si vous le demandez entre guillemets la veille du nouveau décret, votre licence est valable un an. Elle n'est pas échue, je veux dire, le lendemain, parce qu'on a sorti un décret. Donc du coup, même quelqu'un qui la demanderait très tardivement par rapport au nouveau décret, la poursuite de ces deux semestres dans son cursus de formation fait qu'il sera soit à quelques jours, quelques mois de la phase 3, si encore une fois c'est l'option phase 3 qui est retenue, et j'ai pas dit ça du tout ce soir, donc Non, mais c'est important qu'il le sache, parce qu'en fait on a eu pas mal de questions là-dessus, et c'est vrai que c'était un peu difficile de répondre, donc tu fais bien de nous éclairer là-dessus, donc merci beaucoup. Ok, alors que j'essaye de voir qu'est-ce qui nous reste. Parce que là, on est déjà à 1h30 de live. On est descendu en dessous des 200 personnes. On n'est plus que 191. Ce qui est déjà un score important, mais voilà. Du coup, peut-être rapidement sur le statut des stages. Pour rappel, en docteur junior, on choisit d'emblée au niveau régional. On peut choisir donc dans sa subdivision, dans les autres subdivisions de sa région. Région correspondant à la région administrative ou région RRS, comme vous voulez. Encore une fois, en interne de la subdivision de Reims, est prioritaire dans sa subdivision de Reims, mais peut choisir également sur Strasbourg et sur Nancy via la plateforme. Il peut également demander un stage hors subdivision, hors région, via le dossier finalement de demande de stage hors région habituel. Et pour que ça, il faut le contact avec le CHU entrant, d'accueil, etc. Du coup, organiser tout ça précisément. Chaque subdivision, je crois, organise un peu différemment, mais de mémoire, les interchu, de toute façon, c'est en surnombre. Là, j'ai toujours un petit doute, mais c'est toujours dans la même histoire de gestion, entre guillemets, démographique, où on ne peut pas non plus avoir 15 000 personnes dans chaque service. Et du coup, effectivement, ça pose question dans les spécialités comme la pédiatrie, où de toute façon... sur une même subdivision, vous avez une promo supplémentaire en fait de la spécialité. Et je me permets juste, alors pardon, je ne sais plus le prénom de celui ou de celle qui l'a posé tout à l'heure, il y avait une question sur l'agrément à partir du moment où c'est un stage hors subdivision, hors région, il faut bien quand même qu'il ait l'agrément docteur junior dans le terrain de stage que vous voulez aller, même s'il est hors plateforme CIMOP apparemment. Vous êtes obligé d'aller sur un terrain de stage qui est agréé pour accueillir des docteurs juniors. Tout comme d'ailleurs les demandes de stage hors région et hors subdivision intra-région dans la phase d'approfondissement. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème, par exemple, pour les stages à l'étranger, c'est qu'il y a besoin d'un minimum de contact. Ce n'est pas forcément un agrément en tant que tel, mais il faut organiser les choses pour que l'interne soit accueilli de la bonne façon. Alors, les frais d'inscription pour les docteurs juniors, honnêtement, je ne sais même plus, mais je crois que... Il n'y a pas de changement majeur. Non, c'est des frais. J'allais dire, c'est dans l'arrêté, alors qu'il y a un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais c'est des frais d'interne pour le coup, puisqu'ils sont par cycle de formation. Et donc, comme Nawel l'a bien répété, on est toujours dans le troisième cycle. Donc, c'est ces frais-là qui s'appliquent. Par contre, la deuxième partie de la question, désolé, je la reformule, parce que je ne suis pas certain de bien la comprendre. Pour moi, la question, c'est un docteur junior qui est décalé de 6 mois, du coup, est-ce qu'il paye deux fois, puisqu'il va être sur 2 années universitaires? Et là, désolé, je joker, on se rapproche du Messri, on fera passer la réponse via l'ISNI, j'avoue que je ne sais pas
comment ça se passe, vu qu'on est sur deux années universitaires. Je pense que ça va être très local suivant l'université et les règles à la main du président sur ce sujet-là, mais je ferai parvenir à Alice ni la réponse écrite. Quoi. Après, c'est déjà des questions qui se posent pour tous les internes qui sont décalés, de toute façon. Donc, voilà. J'imagine. Ceux qui n'ont pas passé leur thèse, de toute façon, ils seront obligés de... Parce qu'il y en a qui sont décalés, qui n'ont pas passé leur thèse, ils devront forcément payer des frais d'inscription pour la soutenance. C'est sûr. Mais les autres, après... Une question rapidement sur l'assistanat. Alors justement, c'est ce que je dis tout à l'heure, de mémoire. Un assistant partagé, c'est un assistant spécialiste à temps partagé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des HU temps partagé. Non, ça peut exister des clinicas sur deux sites, mais c'est hyper rare. Il y a une prime d'ailleurs multisite, mais c'est très, très, très rare parce que entre la mission d'enseignement de clinique et tout, en général, c'est tout sur un même site. Mais là, du coup, c'est assistant partagé, c'est assistant spécialiste, je pense, dont elle parle. Mais en tout cas, voilà, si tu es un assistant spécialiste, en théorie, ton contrat initial est d'un an. Il me semble que c'est ça tout le temps. Si c'est un poste de CCU, oui. Après, très honnêtement, c'est dommage de bloquer un poste de CCU pour démissionner un an plus tard. Après, ça... Ouais, ça sert pas à ça. Hein. Ça sert pas à l'accès du secteur 2. Hein. Ouais. Alors, ça, on y a répondu. Ça, on y a déjà répondu aussi. Alors, bon, là, je pense que c'est par rapport au secteur 2. C'est toujours la même histoire, hein. Encore une fois, la phase 3, phase de consolidation, valide un an pour le secteur 2, et votre phase de consolidation dure un an ou deux ans. Et donc, pour avoir le secteur 2, il vous reste un an d'assistanat à faire. Donc, encore une fois, je vous recommande des postes plutôt d'assistant spécialiste dont les contrats sont d'un an, alors que les postes HU et CCUAH sont des contrats d'emblée de deux ans. Les deux ans supplémentaires ne sont pas indispensables si vous voulez faire du secteur 2, si c'était bien la question. Par contre, si vous voulez valider un clinica, c'est deux ans. Oui, voilà, c'est ça. Faut bien distinguer le côté... si vous voulez valider un clinica, par exemple, si vous voulez faire une carrière hospitalière universitaire, ça n'a rien à voir avec le secteur 2. C'est bien des thématiques différentes, même si ça se recoupe. J'ai eu plusieurs questions sur l'organisation de l'appariement pour novembre 2021. La campagne d'appariement n'est pour l'instant pas fixée en termes de date pour une question toute bête, c'est CIMOP. Je vous ai pas donné les détails, mais CIMOP, entre guillemets, est en cours de réorganisation pour être très simple. Et du coup, on attend certains arbitrages, on aura plus d'informations, je pense, dans les mois à venir. Alors, je sais pas si Sébastien, tu peux compléter, tu as plus d'informations, mais autant que je sache, a priori, ça va commencer soit en juin si c'est possible, mais ça a peu de chance, soit en septembre. Ouais, j'allais dire, je rentre pas dans les détails techniques du sujet contractuel avec CIMOP pour pas perdre les 200 connectés avec nous. Très franchement, et pour en avoir reparlé ce matin avec les équipes de la DGOS, la conférence des doyens de médecine, etc., on n'arrivera pas à faire la campagne avant le milieu de l'été. On a vu l'été dernier que c'est pas une période propice de faire ça entre le 14 juillet et le 30 août, entre les vacances, des scolarités, des agents, des ARS, les vôtres et celles des chefs de service. Donc, on sera sur une campagne sur le mois de septembre. C'est à 95% l'option qui sera retenue. Et à quelques jours près, on sera sur le modèle que Evan a décrit, hein, d'une semaine par phase. Et donc, globalement, un mois de campagne au global. Mais je vais juste rappeler quand même deux, trois chiffres des deux phases qu'on a connues, même si ce n'est pas les mêmes proportions. Mais on est sur... plus de 95% des internes, enfin des docteurs juniors, pardon, du beau lapsus, qui ont été affectés au premier tour, 4%, 4% et demi au deuxième tour, et presque rien en affectation manuelle à la main des ARS, des facs et avec vos coordonnateurs sur cette phase. Alors j'ai bien conscience qu'on va changer de proportion, parce qu'on va passer de 1200 docteurs juniors à 10 000, mais les proportions devraient significativement rester à peu près homogènes, et donc l'algorithme permet quand même d'avoir des appariements le plus stable possible pour la majorité d'entre nous. Et du coup, en parlant de cette phase-là, je me permets de dire qu'effectivement, du fait de l'augmentation énorme de la population de futurs docteurs juniors, je vous conseille fortement, encore une fois, d'anticiper un maximum vos postes. Et il est possible, si techniquement la plateforme le permet, alors techniquement c'est possible, mais on n'est pas sûr du fait de ce qu'on essaye de pas trop vous expliquer pour pas vous casser les pieds avec Sébastien sur cette plateforme, il est possible que vous puissiez déjà déposer votre dossier, donc contrat de formation, CV, lettre de motivation pendant l'été,
et que vous n'ayez pas la possibilité d'accéder aux candidatures. Donc, ça vous permet déjà d'anticiper. Et je pense surtout, essentiellement à tous les, à tous ceux qui n'ont pas été docteur junior jusqu'à maintenant, donc qui n'ont pas de dossier sur la plateforme. Rapidement, on m'a demandé de détailler le. À part si tu voulais ajouter quelque chose, Sébastien. Non, excuse-moi. Rapidement, on m'a demandé de détailler le fonctionnement du deuxième tour. Le deuxième tour, c'est exactement pareil que le premier tour, mais il se joue uniquement avec les internes qui n'ont pas été affectés au premier. En pratique, ce qui s'est passé, et c'est les 95%. En gros, dont vous a parlé Sébastien, c'est des internes qui ne se sont pas connectés sur la plateforme, pas du tout, ou alors c'est des affectations qui n'ont pas pu être faites parce qu'il n'y avait pas assez de candidatures ou des choses comme ça. Le troisième tour, par contre, donc c'est le fameux tour de conciliation. Donc là, on sort de CIMOP, on prend les postes encore disponibles, et c'est une discussion, alors sauf erreur de ma part, entre ARS, faculté, CHU et interne, avec des représentants des internes, pour organiser au mieux cette affectation. Et c'est un chiffre, il y a peu d'internes concernés. Cette question-là, c'est ce que j'ai essayé de répéter tout à l'heure. On est toujours dans la même histoire. Hein, sur la phase CIMOP, les internes de la subdivision sont prioritaires. Il y a quand même, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a ce système, quand vous demandez un interchu, un stage hors région, vous êtes considéré en surnombre dans la majorité des situations. C'est mon cas actuellement là, sur le poste à Lyon. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème normalement. Les agréments, effectivement, ça, Sébastien y a répondu. Les critères de validation d'un semestre de docteur junior, pour moi, ils sont similaires. Alors, évidemment, au prorata de la durée du stage, si c'est un stage de 6 mois, les critères évoluent légèrement. Alors, ça, c'est une bonne question. Ah oui, les décalages, c'est ça le problème aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment le problème de ça. C'est pour ça que y a pas mal de personnes qui défendaient justement cette position du rester sur des stages de 6 mois que d'un an, mais même sur des stages de 6 mois, ça va entraîner des problématiques. Mais un an, ça sera encore pire dans certaines. Ouais, j'allais dire, désolé de ne pas répondre, de botter un peu en touche sur celle-là, parce qu'elle est très dépendante des arbitrages qu'on va prendre sur les futurs choix. Après, il y a l'option qui n'est pas écartée au stade où je vous parle, de faire choisir quelqu'un avec 6 mois d'avance, même s'il a connaissance que sur les 6 mois prochains, il ne sera pas en poste. Mais comme ça, on a entre guillemets le même panel de choix offert à tout le monde et il n'a pas ce qui reste sur la procédure intermédiaire, si je peux le dire comme ça. Mais c'est une des options parmi d'autres sur la table aujourd'hui. Mais on a bien le sujet en tête de ne pas avoir de gens trop lésés, si je puis le dire comme ça, dû à un décalage. Mais après, du coup, en termes d'arbitrage, en faisant choisir des gens en anticipation, déjà, ça voudrait dire qu'il faudra anticiper la situation de décalage, donc des fois, ce n'est pas toujours possible. Comment est-ce que vous allez gérer les anticipations par rapport à des gens qui ne seront pas anticipés? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça, vous allez... on l'a bien dans le viseur, et c'est pour ça que la solution, elle ne répondra pas à 100%. Mais une des options est de se dire que tous ceux qui, au moment du choix, ont le semestre prochain qui est décalé pour plein de raisons, et la majorité des décalages pour 6 mois, ça va quand même être soit grossesse, soit convenance personnelle, en gros pas les années recherche pour le décrire comme ça, eux pourraient choisir dès le début, et par contre on sera obligé d'avoir une procédure pour les arrêts maladie, les invalidations de semestre et toutes les autres situations qui malheureusement peuvent pas s'anticiper au-delà, j'ai envie de dire, de la bonne volonté de l'interne, parce que là c'est pas qu'il a pas prévu, c'était pas possible, quoi. Okay. On nous demande à quel moment ce sera statué pour les remplats pour les nouveaux TRS. Sur ce sujet, désolé, je ne donnerai pas de délai parce que je veux pas être démenti à la prochaine visio. Désolé de vous répondre comme ça au plus vite, et soyez assurés qu'on pousse le sujet régulièrement. Il y a de multiples acteurs autour de la table et donc c'est pas simple d'être consensuel sur ce sujet. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé de CNP. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est les conseils nationaux professionnels qui dépendent de chaque DES.
Et alors, il y a des travaux sur ça, et il y a aussi des travaux sur un autre gros thème qui est le deuxième DES pour faire partie d'une asso de SPE. C'est des sujets hyper importants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gros sujets. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça avance pas hyper vite comme vous voudriez aussi. Peut-être ça, le fait qu'il y ait plein de gros dossiers qui se culbutent. C'est pas facile quand même. Sachant qu'en même temps que tous ces dossiers liés à la formation, on a un tout petit virus qui se balade. Et ça n'aide pas non plus pour ça, la... Ça peut expliquer des choses peut-être. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Je ne veux pas dire mea culpa de notre côté, parce que voilà, mais on vit tous la même situation. Et oui, les sujets sont nombreux actuellement dans le viseur, mais ça, j'ai envie de dire, c'est l'ambition des différents ministres qu'on a eu. Et donc, enfin voilà, faut y répondre et y aller. Après, malheureusement, la crise sanitaire affecte un peu... toutes les organisations avec des priorités qui sont rebougées. Donc, j'ai bien conscience que parfois, c'est long. Enfin, et je suis le premier à redire que c'est long. Mais malheureusement, la disponibilité de certaines équipes est un peu réduite, puisque sur nos sujets étudiants au sens large, pour être très transparent, c'est les mêmes équipes qui font les sujets mobilisation et vaccination des étudiants et des internes que des sujets de fond par ailleurs. Très bien. Alors, il y a Kossar, ça fait plusieurs fois que tu tags l'IFNI. Malheureusement, je n'ai pas accès à la page Facebook, donc je ne peux pas savoir à qui on ne répond pas. Et c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Enfin, c'est difficile de répondre à tout correctement. Donc, ça, c'est bon. Bien en plein, on en a parlé. La nouvelle dérogation pour le passage des thèses, alors honnêtement, ça fait longtemps que ça n'a pas été discuté, mais ça avait été évoqué, je crois, il y a 2 mois au sein de l'ISNI. Je ne suis pas sûr que ce soit encore dans la boucle. Après, s'il faut pousser pour ça, l'ISNI pourra le faire. Je ne peux pas être plus clair que ça, dans le sens où, pour l'instant, on n'a pas. Enfin, je ne crois pas que le bureau de l'ISNI ait été plus haut. Voilà. J'allais dire là-dessus, alors désolé de vous renvoyer la balle, mais il me semble qu'on n'a pas eu de demande sur le sujet. Pendant les réunions de suivi. Avec les chargés de mission R3C, je ne suis pas certain que le bureau très récemment ait demandé à ce qu'on remette ce sujet sur la table. Après, très franchement, j'ai presque envie de dire, on verra, suivant le contexte épidémique cet été, si la demande s'entend. Enfin, pour être très transparent avec vous, si globalement, dans 4 à 5 semaines, la situation sanitaire s'améliore et va mieux, j'ai envie de dire, on a 5 mois avant l'arrivée du changement de l'année universitaire. Et donc, normalement, je ne dis pas qu'on n'aura pas quelques situations individuelles, mais normalement, le gros du problème devrait être passé. Mais après, le problème se regarde. Hein, ça, sincèrement, n'hésitez pas à le remonter et on se repenche sur la situation. Après, c'est un serpent de mer, et à chaque fois, c'est la grande question, pourquoi doit-on passer sa thèse avant la phase de docteur junior ? Donc, bon, on ne va pas relancer le débat ce soir. Hector Le Castor, qui a décidément un nom un peu troll, est-ce qu'on peut avoir un poste de docteur junior partagé entre deux sites ? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut voir vos maquettes, il y a des stages dits couplés, des stages type mixte, ça dépend des maquettes, c'est pareil en phase d'approfondissement et en phase de socle. Il peut arriver effectivement que des stages soient organisés. La question, c'est de savoir si c'est en 3 mois, 3 mois ou en 6 mois, 6 mois selon le DES concerné. Ouais, j'allais juste dire, alors c'est souvent possible dans beaucoup de maquettes, mais alors cela anticipait encore davantage parce que vu que ça sous-entend 2 agréments pour ces terrains-là, en général, si vous y prenez la semaine avant la commission, désolé de le dire aussi directement, mais c'est foutu vu les délais administratifs. Donc en général, en plus, c'est des profils assez atypiques, si je peux le dire comme ça, et intéressants. Et prenez-y-vous à l'avance pour avoir ce genre de projet. Ensuite, la question d'Emma par rapport au FST aux options. Moi, à titre personnel, j'en resterai là. C'est-à-dire que les options, pour moi, c'est toujours possible, effectivement, dans la phase 3. Les FST, sauf erreur ou adaptation locale, ça n'a rien à faire en phase de docteur junior. Ouais, je te laisse compléter, mais là-dessus, j'allais dire, il y a quelques maquettes qui permettent de faire un semestre d'une option ou d'une FST dans la phase 3. Par contre, la demande et l'accès est exclusivement en phase 2. Vous n'avez pas le droit de débuter votre année de docteur junior et sur le semestre de mai de demander à faire une option ou une FST. Par contre, il y a quelques maquettes, mais alors de mémoire, elles sont vraiment anecdotiques, qui permettent de faire un semestre plus tard, sur les 2 semestres, pardon, de l'option FST, si j'ai pas été super clair sur ma phrase.
Bah, en tout cas, nous, ce qu'on nous avait demandé de retenir, c'était que la FST, c'était vraiment propre à la phase d'approfondissement, parce que justement, le concept de l'option, c'est que c'est propre au DES, alors que la FST, ça peut être une formation spécialisée, bah, comme son nom l'indique, transversale, et qui fait que bah, du coup, plusieurs DES, normalement, tous les DES peuvent faire toutes les FST. Après, ça a été cloisonné par DES, mais ça a bien été redit dans des réunions de suivi de réforme du troisième cycle. Qu'en théorie, un candidat, il peut candidater à la FST qu'il souhaite. C'est juste que ça, c'est un peu mal passé en termes d'information. Et l'option, normalement, c'est propre à son DES. Donc, ça paraît un peu logique que les choses soient sanctuarisées par phase comme ça, en tout cas. Donc, Et ça me semble bizarre qu'on puisse faire un stage de FST en phase de docteur junior, en fait. ouais, je crois qu'il y a une ou deux maquettes qui le permet de mémoire. Et je me permets de cette question, du coup, de repréciser à ce stade, les textes réglementaires, qu'on soit bien clair, permettent l'accès à une option ou une FST. Je ne dis pas que ça ne bougera jamais, mais en l'état actuel des textes, la possibilité d'accéder à l'un ou l'autre. J'ai pas dit de candidater, hein. Là, vous pouvez candidater à plusieurs, notamment sur celles qui sont le plus prisées. Vous savez que tout le monde ne sera pas pris pour maximiser vos chances. Par contre, c'est bien l'une ou l'autre, ou rien, hein, pour les gens que ça n'intéresse pas particulièrement, mais qui est possible dans le cadre du cursus. Très bien. Alors, simplement, pour le contrat de formation, je vous ai partagé le lien qui est sur le site de la CNCEM, donc en gros la Coordination nationale des collèges d'enseignement en médecine. N'hésitez pas aussi à le demander à votre faculté. La plateforme dont on parlait, c'est la plateforme CIMOP. Donc, je peux vous aussi vous passer le lien. Alors, CIMOP, c'est en gros le système d'information pour les internes en médecine, odontologie et pharmacie. Et c'est donc, comme vous disiez, cette plateforme avec différents modules en cours de développement, dont fait partie le module Apparimant. Mais ce n'est pas la plateforme du CNG, ce n'est pas Céline, comme ce que vous avez cité pour les choix de poste au début d'internat. Pour ta question, Marion, sur les postes d'assistants, alors j'avoue que ça, faut voir localement. Donc, je te suggère fortement d'adresser un mail à ton syndicat local et à l'IFNI en bonus, histoire qu'on revoie ça pour essayer de s'assurer que tu es accompagné au mieux. Là, c'est effectivement, en théorie, le choix final revient à l'interne. Donc après, c'est toute la question d'habitude. Ça, je pense, on parle de l'appariement lui-même. C'est le gros questionnement de beaucoup d'entre vous, d'après ce qu'on a reçu sur Instagram, entre autres, c'est côté pistonnage, où justement, à partir du moment où en interne connaît le chef de service, il aura plus de chances d'être classé premier. C'est pour ça que je vous recommande vivement d'aller voir les chefs de service et les responsables de terrain de stage en amont pour prouver votre, comment dire, votre engagement professionnel. Effectivement, de toute façon, il faut bien vous garder à l'esprit du piston, il y en aura tout le temps, quelle que soit la situation. Et votre poste d'assistant, ce sera pareil, vos postes de PH, ce sera pareil, toute votre vie, il y aura des soucis parfois de piston et des avantages liés à ce genre de choses. Donc, anticipez les choses, faites les choses de façon propre et cadrée, et ça améliorera, enfin, ce sera d'autant mieux. Voilà. Du coup, oui, pour la licence de remplacement, normalement, vous pouvez la demander. Alors après, ça dépendra des CEDOM. Parfois, ils vont vous dire qu'il faut attendre le 2 mai. Alors, Cossard, du coup, c'est un Régis. Du coup, je vais essayer de retrouver sa question, si je peux. Alors, je vais en mettre une autre en attendant. Donc, je vous mets celle-là. En attendant, j'essaie de retrouver la question perdue. Ah bah c'est celle-là en fait, donc tout va bien. Ok. Alors, enfin, sur cette question, désolé, parce que j'ai pas l'arrêté de 300 pages sous les yeux pour voir au mot près comment c'est rédigé. Parce que donc, si la maquette demande deux stages sur quatre avec un encadrement universitaire, ça sous-entend donc qu'il y a deux semestres à faire. Alors, je dis dans un CHU, mais on a quelques CH en France où il y a des HU et qui comptent comme encadrement universitaire. Alors, c'est anecdotique et on les compte sur les doigts de la main. Donc, j'insiste vraiment pas. Mais il n'y a pas nécessité qu'ils soient contigus sur une année, etc. Enfin, ça, vous avez une totale liberté du moment qu'on est bien dans ce qu'a défini la maquette sur les options là-dessus.
Et faites hyper gaffe d'ailleurs pour les histoires d'options, de stages, etc., notamment en cardio, parce que je sais qu'il y a des terrains de stage qui ne dépendent pas des cardios, par exemple l'imagerie cardiaque. C'est hyper compliqué parce qu'au fur et à mesure, comme l'a expliqué Evan, que vous allez qu'on va avancer en fait dans cette réforme du troisième cycle, il y aura des espèces de. Voilà, ça va pousser un peu dans tous les coins, surtout dans les petites subdivisions, je pense. Si on rajoute en plus les mobilités, les changements, etc., ça va commencer à devenir hyper compliqué. Donc faites bien gaffe pour les DES, en fait, que vous avez des options dont les stages dépendent d'autres DES, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les internes de ce même DES qui doivent aussi être formés, et qu'en fait, toute la question se pose sur ce qu'on appelle les capacités de formation. Donc faites hyper gaffe là où vous faites votre option, dans quelles conditions ça se passe, parce que des fois, ça peut être hyper compliqué. Et je sais que les cardio, ça peut être un point des fois délicat, quoi. Donc, pensez bien surtout à ces stages avec encadrement universitaire, des fois c'est compliqué. Et du coup, pour faire le lien avec cette grande question, en fait, faut bien se rendre compte que la réforme est toujours en cours. D'une certaine manière, tout n'est pas encore appliqué. Il y a encore plein de choses où on confronte finalement la législation au principe de réalité. Et c'est exactement la question sur les FST. Il était dit historiquement qu'on pouvait faire des FST après l'internat, enfin juste après. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas été ressorties de sous le tapis depuis un moment. Donc, la réponse à titre personnel, c'est je ne sais pas. Autant que je sache, à ce stade, non. Ça a été laissé tomber. Enfin, c'est bien ça. Alors, l'arbitrage n'est pas pris puisqu'il est lié au sujet deuxième DES. Par contre, il y a de fortes chances que l'accès soit pas possible juste après l'année de DJ. Parce que l'idée n'est pas de contourner la règle initiale de ne pas pouvoir cumuler option FST. Donc, on n'est pas une majorité d'internes qui fassent une option durant le cursus et dès qu'ils arrêtent, qu'ils enchaînent avec une FST. Parce que là, sinon, on contourne totalement le système. Et donc, il est possible que dans les règles qui soient définies, il y a un certain nombre d'années. Comme il y aura un nombre d'années définies pour accéder à un deuxième DES, qu'il y a un nombre d'années définies pour demander l'accès à une autre option FST qui n'aurait pas été suivie dans le cadre de la formation initiale. Très bien. Alors, est-ce que il vous reste des questions dans le chat? Parce qu'encore, il y a des questions auxquelles on n'a pas vraiment répondu, par exemple celle de Daydin, mais j'avoue que ça sort du cadre des docteurs juniors et j'avoue que moi, je ne maîtrise pas le DES de médecine agent. Je dirais oui spontanément et je vous renvoie vers l'AJMU, donc votre association nationale représentative des internes de médecine d'urgence. Ce sera plus simple, ils pourront vous répondre de façon plus adéquate. Je vous ai partagé le lien du GoodSimop Apparemment dans le chat également. Et j'essaye de faire le tour en fait différentes questions auxquelles on n'a pas répondu. N'hésitez surtout pas parce que là on atteint bientôt 2 heures de live. Vous êtes encore 121 et c'est très sympa d'être toujours là. Mais je pense qu'on commence aussi à fatiguer de notre côté. Donc on va peut-être bientôt terminer si ça vous convient, Nawel et Sébastien. Donc voilà, si vous avez des questions un peu urgentes, je vérifie un petit peu ce qui n'est pas sorti. Après, n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire, même si ceux qui regardent le live, on tentera d'y répondre ou de vous transmettre les personnes qui seront habilitées à vous répondre. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser des questions a posteriori. On regardera. Voilà. Donc, oui, et puis encore une fois, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. La base, c'est d'en parler avec votre interne référent de DES et votre association locale, enfin, association slash syndicat local. Et n'hésitez pas derrière à en parler aussi à l'IFNI si besoin. De toute façon, on est en contact direct avec les différentes institutions. Donc, il n'y a pas de mauvaise question. Il faut pouvoir. Voilà, l'organiser au mieux. Pour ta question, du coup, je pense, Michael, si je le prononce correctement. Alors, les consultations de senior, je ne sais pas si légalement ça a un nom, mais concrètement, par exemple, pour donner un exemple, en tant que docteur junior en génétique, on est 3 là en cours de phase docteur junior. J'ai une collègue qui, globalement, a un rôle très autonome de limite en tant qu'assistante et qui a ses propres plages de consultation, mais qui sont seniorisées derrière, ou en tout cas celles pour lesquelles elle demande d'être seniorisée. J'ai fait le choix, pour différentes raisons, d'être autonomisé plus doucement, mais progressivement, finalement, j'ai des consultations un peu tout seul. Ça ne veut pas dire que je ne staffe pas les dossiers, mais comme l'assistante, en fait, à la CCU du service, je les restaffe aussi. Donc, encore une fois, c'est vraiment cette question de l'autonomisation progressive qui, pour moi, en tout cas, ben, pour les DES en 4 ans, ne change pas du tout, dans le sens où, de toute façon, en fin d'internat, vous êtes censé vous autonomiser progressivement. C'est jusque-là. La loi renforce ce côté qui a finalement un intérêt pédagogique
et un intérêt voilà, de prise de confiance, tout bêtement, hein, puisque une fois que vous êtes assistant, c'est quand même beaucoup plus... c'est quand même un changement de statut particulier. Donc vraiment, n'hésitez pas à discuter avec vos seniors, n'hésitez pas à remplir votre contrat de formation aussi rapidement que possible. Moi, je sais pas, j'ai eu l'occasion de remplir mon contrat de formation jusqu'au bout de ma première année d'internat. Ça me permettait de dire clairement, voilà, les interchus, enfin, j'ai mis tous les interchus possibles et rêvés, j'en ai mis plein. On m'a dit clairement, c'est normal, enfin, tu pourras pas tout faire, oui, mais je sais, mais c'est justement pour me projeter, pour essayer de voir un peu comment organiser ça. Donc vraiment, c'est des choses, encore une fois, à anticiper, avec tous les acteurs possibles, donc le coordinateur de DES, vos PH, vos internes référents, vos syndicats d'internes, votre association de spécialité. Rapprochez-vous bien de votre association de spécialité parce que c'est eux qui sont compétents dans la matière. Et encore une fois, n'ayez pas peur du mot syndicat. L'important, c'est parfois, c'est juste de vous donner des informations pour que les choses soient le plus précises possible et que vous vous appropriez votre internat et votre post-internat au maximum. Les rémunérations des astreintes en statut docteur junior, alors c'est sur le site de l'ISNI, j'ai plus le chiffre en tête, mais je te renvoie sur le site de l'ISNI, il y a une page docteur junior. Et puis après, voilà, radiologie interventionnelle. Intervention seule, alors pour moi, ça dépend ce que tu appelles intervention, mais j'ai vu des internes de radio faire des interventions seules sur pas mal de choses, donc c'est toujours une question d'autonomisation en fait. Il faut garder à l'esprit, encore une fois, ce docteur junior, c'est nouveau, il y a ce renforcement de l'autonomisation progressive, mais déjà de base, il y avait un côté autonomisation progressive, et ça, je ne vais pas m'amuser à faire de l'apprentissage par compétence, parce que c'est très long pour ce soir, mais il y a toute cette question-là sous-jacente de ce qu'on appelle les activités professionnelles confiables, avec toute la question de savoir à quel point on peut donner enfin, des activités à une personne en dehors de la présence du senior dans la pièce, par exemple. Et ça, c'est vraiment la question actuelle. Et Vincent, voilà. N'hésitez pas à contacter l'association de spécialité. Quoi. Enfin, dès que vous avez des questions de cet ordre-là, comme l'a expliqué Yvan, surtout quand ça touche aux gestes, que ce soit les certificats, par exemple, quand on parlait de tout à l'heure du cas de la psychiatrie, là, on parle de la radiologie. N'hésitez vraiment pas à aller voir vos assos de spé, hein, parce que c'est des questions hyper importantes et il ne faut pas vous mettre dans des situations difficiles. Puis c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, globalement, il faut voir l'ISNI comme une réponse à vos questions d'ordre général. Et dès qu'on parle sur, on s'oriente vers une question locale, demandez à votre asso de subdivision et demandez à votre asso de spécialité pour une question sur votre DES. Il y a plein de questions sur lesquelles l'ISNI pourra vous répondre, mais forcément, il y a des personnes qui sont plus adaptées que d'autres par habitude. Voilà. Mais écoutez, alors je vois plus de questions dans le chat. Alors, je m'excuse par avance s'il y a des questions auxquelles on n'a pas trop répondu. On essaiera de faire le tour un peu des questions sur le chat. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, par mail, quand je dis à nous, à l'ISNI en elle-même. Puis je crois qu'on va s'arrêter là, donc j'ai plus qu'à remercier Nawel et surtout Sébastien du coup pour votre présence ce soir. C'était un peu nouveau le fait de demander à quelqu'un, on va dire un peu plus institutionnel de venir, et je pense que Sébastien a fait autant que possible d'être entre deux eaux, parce que malheureusement il ne peut pas répondre à toutes les questions, mais je crois que ça a été quand même apprécié, j'espère. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant qu'on se quitte. Ben, enfin, merci beaucoup à tous les deux et pour le format, et aucun problème pour le retenter sur d'autres sujets quand vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Bon, je pense qu'on en aura à te proposer si tu es d'accord. C'est vrai que ça peut être très sympa. Et non, merci oui, d'être venu, comme l'a dit Yvan. C'était hyper, hyper sympa de pouvoir échanger avec un autre regard, parce que c'est vrai que des fois, on est un peu focus sur certaines choses. Donc c'est hyper important. Et puis oui, les docteurs juniors actuels et ceux qui vont le devenir, c'est hyper important que vous connaissiez bien vos droits, vos devoirs, mais surtout vos droits, que vous ne mettiez pas dans des situations... difficile. Pensez à votre contrat de formation. Apparemment, dans plein de subdivisions, ça n'a pas été fait. C'est une obligation. Ça peut être rediscuté pendant l'internat. Vous avez le droit de le demander. Et surtout, soyez hyper au courant de tout ça, parce que c'est votre avenir professionnel qui débute, quoi. Donc progressivement, la phase de l'internat et la suite. Donc important que vous sachiez tout ça. Voilà. Et puis, merci Yvan aussi, hein, parce qu'on ne t'a pas remercié. Merci Yvan. Mais c'est vrai qu'un élément qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que en tant qu'interne, vous ne savez pas forcément tous vos droits, et c'est important que vous les sachiez, mais là, beaucoup de chefs, en fait, ne sont pas vraiment au courant de comment se passent tous les détails de l'internat. Et dans plein de situations, c'est les internes référents, c'est les syndicats d'internes qui, en portant votre voix, qui apportent les informations. Donc,
voilà, soyez, n'hésitez pas à poser plein de questions, à vous renseigner au maximum pour que les choses soient cadrées, parce que c'est, encore une fois, c'est vous qui faites votre internat d'une certaine manière, et pour ça, il faut que vous ayez toutes les informations. Je me permets de rebondir sur le fait d'organiser d'auto-webinaires un peu comme ça avec Sébastien. Il y avait des idées, par exemple, de discuter de sujets un peu de fond, car typiquement, voilà, les deuxièmes DES ou des sujets thématiques de santé publique. On peut imaginer plein de choses si ça intéresse les internes, de faire finalement des sortes de soirées débat avec éventuellement d'autres structures, juste pour, entre guillemets, prendre la température et voir un petit peu quels sont les avis de chacun sur ces sujets et voir si ça nous fait émerger des questionnements ou des contributions. Du coup, simplement, je prends la dernière question et comme ça, après, on se quittera là-dessus. Moi, ce sera fini. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend vraiment du temps que tu as validé dans le stage. Ça changera, enfin ça change pas en fait du semestre d'un interne, c'est-à-dire qu'il faut au moins 4 mois validants. Donc voilà, il y a pas de, à ce niveau-là, ça change pas pour le docteur junior, encore une fois, sauf si c'était stage de 1 an, où forcément les règles sont légèrement décalées parce que ce sera un stage de 1 an. Voilà. Et ben du coup, merci à tous pour ce soir. On est à 84, qui est globalement le chiffre parfois maximum de beaucoup de webinaires. Donc on vous remercie encore une fois d'avoir tous été présents. Ce webinaire est encore une fois disponible en différé à partir du moment où je vais cliquer sur « Terminer le webinaire ». Et du coup, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée, merci à tous. Merci.